Allez, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être venus si nombreux au Parc Gallet à un dimanche à 19h en plein été. Qu'est-ce que vous faites là, au juste? Vous êtes trompé d'adresse, vous êtes trompé d'endroit. Bonsoir à tout le monde et je dis également bonsoir ici à tous ceux qui nous regardent depuis leur canapé. Je sais qu'il y en a qui sont dans leur canapé au Canada, il y en a qui sont en train de finir un pique-nique sur la plage à Pigny, il y en a qui sont à Bordeaux, il y en a plein qui sont en Corse. Donc on ne les oublie pas, cette conférence est retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Alors l'idée ce soir, c'est de passer environ 1h15 ensemble et si j'arrive au défi que je me suis fixé, c'est que la plupart d'entre vous, à la fin de cette 1h15 de rencontre botanique, historique, scientifique, repartent avec une vision complètement changée des végétaux. Si je demande par exemple, et là de l'autre côté de la caméra on risque d'être un peu frustré, qui dans la salle trouve que ce Bocarnea, je vous le montre, hein, que ce Bocarnea mexicain est intéressant, est complètement fascinant. Levez la main pour voir. Bon, alors je le dis pour ceux qui ne peuvent pas voir, sur une belle salle pleine face à moi, il n'y a quasiment personne qui lève la main. Personne ne trouve ce Bocarnea que je n'arrive plus à porter, il est lourd finalement. Très intéressant, mais absolument fascinant. Mais vous allez voir qu'à la fin de cette rencontre, si j'arrive à mes fins, eh bien dans 1h15, vous ne regarderez plus jamais vos plantes vertes de la même manière, à l'appui des dernières découvertes scientifiques et puis de tout ce qu'on va pouvoir raconter sur la grande histoire des végétaux. Une première question pour commencer qui m'intéresse bien, et vous avez droit à la parole autant que vous le souhaitez ici, de la même manière que vous amusez chez vous à répondre à cette question toute simple, quelle est la plus grosse créature vivante sur la planète? On n'est pas forcément en botanique là, hein, on est généraliste. Évidemment, évidemment, je l'entends, peut-être que ça pianote de l'autre côté aussi, la grande baleine bleue. Bon, vous vous doutez que c'est complètement faux. La grande baleine bleue n'est qu'une petite sardine, elle ne ressemble à rien, enfin presque. Elle est simplement toute petite, il en faut trois d'ailleurs, hein, pour arriver à la cheville du véritable plus gros être vivant de la planète. Et pour le coup, avec lui, on est en Californie, on est avec un séquoia géant d'Amérique. Un général célèbre, c'est le nom qu'on lui a donné. Mais ce qui est très intéressant dans la réponse que j'ai entendue à cette question toute simple, c'est que la plupart d'entre vous ont répondu spontanément, comme on l'aurait fait, enfant ou adulte, la grande baleine bleue. Parfois, on peut confondre avec l'éléphant, hein, quand on demande la plus grosse créature vivante sur la planète. Et oui, on oublie de citer un arbre. C'est pourtant évident, mais est-ce bien vivant, au final, un arbre? C'est la question quand on se trompe. Ben oui, ça va, il bouge quand il y a du vent, on a bien vu qu'il grandissait de temps en temps, il faut l'arroser quand c'est une plante verte qu'on a sur le balcon. Et pour autant, vous avez vu que là, et encore, j'ai un peu menti, vous verrez à la fin, le véritable être vivant le plus gros de la planète, eh bien, il est bien plus gros que des baleines associées. Et ça, c'est très intéressant, vous allez comprendre pourquoi on se plante sur la question, sans jeu de mots. Avant cela, je vous présente vraiment, officiellement, mais personne ne saura où il se trouve. D'ailleurs, vous pouvez aller pianoter sur Internet, ceux qui sont en direct ici pourraient le faire. Même sur Google Earth, on ne vous dit pas où il se trouve. Voici le véritable plus grand être vivant de la planète, en termes d'ailleurs de taille. Avec lui, vous êtes toujours en Californie. Il s'appelle Hyperion. Là, on est dans la mythologie, c'est le nom qu'on lui a donné. C'est également un séquoia, à feuilles d'if en l'occurrence pour son espèce. Et il culmine à 116 mètres de hauteur. C'est le deuxième étage de la Tour Eiffel. Pourquoi on ne dit pas où ce plus grand être vivant de la planète se trouve? Eh bien parce qu'on sait que s'il y avait des flots de personnes un peu curieuses, pour ne pas dire de vacanciers, de touristes ou d'amateurs de la nature, hein, qui voudraient aller se poster auprès du plus grand être vivant de la planète, on fragiliserait beaucoup ses racines, et le séquoia, pour le coup, est très fragile au niveau de ses racines. Donc il n'y a que des scientifiques qui savent où il se trouve, il n'est pas répertorié sur les cartes, mais voici en tout cas le géant actuel de, de notre nature, et c'est bien un végétal, hein, qui tient la couronne du plus grand être vivant. Et ça, ça m'intéresse. Concentrez-vous sur ces trois photos. Vous qui êtes ici à Galéa face à moi, les gens qui sont derrière ici leur écran, concentrez-vous sur ces trois photos et spontanément, qu'est-ce que vous voyez? Dites-le, là, c'est plutôt facile, me semble-t-il. Une toile d'araignée, ouais. Un bel écureuil. Et un panda. Bon, évidemment, c'était un piège. 99% des sondés de la maternelle à la fac, et j'ai fait l'expérience, hein, quand on leur montre ce type de photo, sont immédiatement attirés par l'animal. Parce qu'il sur la photo va être un peu impressionnant, ce qui va partir en courant si jamais on devait venir l'embêter, voire nous attaquer pour le panda, hein, ou bien qu'il ne soit pas très, très compliqué avec l'homme, bien évidemment. Mais enfin, on est quand même là avec des animaux qui attirent.
Moi, je vois complètement les choses autrement, et j'espère que vous les verrez autrement éventuellement. Bien plus intéressant que la toile d'araignée, le lichen qui se trouve sur l'arbre qui est juste à côté. Le lichen, c'est quand même le seul truc sur Terre où 1 plus 1 égale 1. C'est quoi ce calcul? Qui nous a dit que 1 plus 1 est égal à 2 dans la vie? 1 plus 1 avec le lichen est égal à 1. Une algue et un champignon qui ont passé un pacte de mariage à vie depuis 450 millions d'années, 90% champignons, 10% algues. Voilà ce que sont tous les lichens de la planète, du Sahara à l'Antarctique, de plus 70 degrés à moins 40, et qui peut grandir, s'il est un peu embêté par la nature, de simplement 1 mm par an pendant 1000 ans. Il est fascinant, le lichen. L'alliance de champignons, avec tous les apports que le champignon peut avoir pour la plante, et de l'algue pour la photosynthèse, que le champignon a du mal à faire. Ça, c'est passionnant, mais c'est rien à côté des histoires qu'on va raconter tout à l'heure. Mais moi, je vois le lichen, par exemple, sur cette photo. Regardez à côté, on a un écureuil. Bien, moi, je vois surtout la souche. Je vois la souche sur laquelle est cet écureuil. Et je pense aux dernières découvertes scientifiques qui viennent d'être éditées il y a peu de temps, où on se rend compte que du côté de la Nouvelle-Zélande, il y a des souches de pins plutôt résineux qui sont capables d'être complètement inertes pendant la journée, hein, quand il fait très chaud notamment. On les croit évidemment quasiment mortes, hein, une souche d'arbres coupés. À part que pendant la nuit, et on l'a tracé, la souche se rend évidemment vers l'arbre voisin de sa famille ou pas, et capte tout, notamment le glucose, tout ce que l'arbre a pu accumuler à côté, celui qui est en bonne forme, une sorte de vampire, dit-on, à part que c'est une collaboration. C'est-à-dire que l'arbre fort et l'arbre fort et l'arbre en vie continuent d'alimenter tranquillement la souche qui a encore de la résine qui coule, alors qu'elle est coupée depuis longtemps, en tout cas ce grand tronc qui était au-dessus au départ. Donc on a là quelque chose de complètement fascinant, une entraide dans les forêts. On en reparlera beaucoup plus, mais moi, la souche, elle me fascine parce qu'elle ne meurt quasiment jamais, surtout si elle est entretenue, cette souche, par les voisins et les voisines, évidemment botaniques. Et puis, bien sûr, le panda, moi, je vois le bambou qu'il a dans la bouche, avec ce mystère pour les scientifiques. Il n'y a pas beaucoup de mystère encore au niveau des plantes, il y en a quelques-uns, on va les voir ce soir. Mais il y a un truc qui rend fou les botanistes, c'est comment se fait-il qu'une variété de bambou, voilà pourquoi c'est lui que je vois sur cette photo en priorité, variété très spécifique, ne fleurit que les 100 ou 120 ans. Et tous les bambous à ce moment-là de cette famille, quel que soit l'endroit sur la Terre sur lequel ils sont, qu'ils soient à Shanghai, qu'ils soient à Bastia ou qu'ils soient à Montréal, tous les bambous de cette famille vont fleurir en même temps qu'ils aient 3 ans ou 80 ans, mais ils vont fleurir tous les 120 ans pour la grande famille, sans qu'ils ne collaborent, sans qu'il n'y ait d'échange entre eux, et ensuite d'ailleurs ils vont mourir. Ce qui est mauvais présage hein, dans tous les cas, parce que vous avez beaucoup de graines qui vont être éjectées après avoir fleuri et fructifié, et beaucoup de rats qui vont arriver, et dans plein d'endroits ça apporte de nouvelles maladies, et c'est ce qu'on appelle la floraison grégaire du bambou. Comment un truc se met à fleurir à quelques jours près ici, à l'autre bout de la planète, et que tous meurent après? On a un peu compris qu'il faisait partie de la même souche originelle, hein, d'un premier bambou qu'on aurait divisé en des milliers d'années d'évolution et de transport par l'homme. Mais ça, c'est encore fascinant parce que tout n'est pas totalement réglé dans cette affaire. Mais regardez, moi, ce que j'adore faire, c'est poser les choses très simplement. Là, je vous ai tendu un miroir. Hein, le miroir, c'est l'animal. Progatorius, ça, c'est nous, il y a 60 millions d'années. C'est nous, c'est vous et moi, avec une chemise un peu moins ajustée vraisemblablement, un peu moins transpirante aussi. Ça, c'est nous, il y a 60 millions d'années. C'est l'ancêtre des primates, en fait, hein, qui donneront la lignée qu'on connaît, puis ensuite les lignées qu'on a aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, bien sûr, vous connaissez, dans ce buissonnement de l'évolution qui amènera à Homo sapiens. Et ce qui est génial, c'est de voir qu'à un moment donné, il y a eu un virage et que tout s'explique avec ce dessin. Écoutez bien l'affaire. C'est hyper simple. C'est un niveau maternel, hein. Mais regardez comme ça devient fascinant, je pense, quand il y a des mots simples qui sont posés sur cette image. Il y a 500 millions d'années, sans doute, imaginez-vous une terre où il n'y a pas une abeille qui vole, où il n'y a pas le bruit d'un vent dans l'arbre, il n'y a pas d'arbre, où il n'y a pas un chien qui aboie, où il n'y a pas un humain qui tape à l'ordinateur, évidemment. On est il y a 500 millions d'années. La terre est vierge de tout élément à part des roches et de l'eau. Il y a de la lave également. Il n'y a même pas de terre, hein, parce que la terre, il faut que l'arbre ait décomposé le sol. Et dans la mer, vous avez à un moment donné une séparation, pour faire très rapide, entre des algues qui vont continuer leur règne végétal et puis des algues qui vont se former une toute petite bouche et qui vont commencer pour la première fois dans un océan primitif originel à manger solide. Et là, on aura deux parties, deux règnes qui vont se diviser. Les animaux, dont on fait partie évidemment, en grand règne, hein, et les végétaux.
Et ça va être deux règnes complètement différents. Regardez-nous, que sommes-nous réellement? Nous sommes des gens qui pouvons aujourd'hui, en tant qu'animal, un peu évoluer, si tant est que nous soyons évolués. Nous pouvons marcher, nous pouvons chasser, nous pouvons crier, nous pouvons manger, nous pouvons nous déplacer, nous pouvons nous battre, nous pouvons échanger, nous pouvons parler, faire des grimaces, etc. On a choisi d'être mobile et d'être éventuellement en prédateur ou en capacité d'aller chercher à manger et d'aller chercher des choses. Eh bien, eux à côté, ceux qui nous fascinent tant quand on les comprend bien, les arbres en l'occurrence, ils ont choisi d'être, dans ce départ-là d'une nouvelle branche, à la fois immobile et comestible. Vous commencez mal dans la vie, si vous êtes immobile et comestible. Voilà pourquoi ces êtres vivants sont complètement différents de nous. Imaginez-vous être à la fois immobile et comestible. Que faites-vous pour vous en sortir? Il faut pourtant inventer des choses. Vous ne pouvez pas partir à la chasse pour manger. Vous ne pouvez pas faire des galipettes et séduire avec un verre de champagne votre belle pour éventuellement procréer plus tard. Vous ne pouvez pas avoir tout ce qu'on peut faire en se mouvant, etc. Alors les arbres sont tout simplement nés avec trois organes. Trois organes et aucun de ces organes ne les met en danger s'il lui manque. Nous avons une centaine d'organes dans notre corps, l'être humain par exemple. Les arbres ont trois organes. Vous, si je vous enlève, et moi le premier, un rein, un bout de cœur, un bras, un bout d'ongle, on ne se sent pas forcément toujours très bien. Nos organes ne sont pas centralisés et ça pose un problème. Là, en l'occurrence, vous avez des plantes qui ont des racines, des tiges ou un tronc et des feuilles. Voilà simplement les trois organes qui composent naturellement un végétal. Et si vous coupez un bout de racine, un bout de tronc, un bout de feuille, le végétal s'en sort très bien, on le sait bien. Et même à 90% grignoté, mangé, maltraité, le végétal s'en sortira. Il a complètement décentralisé l'ensemble de son corps et de ses éléments qui le constituent. On va comprendre très bientôt, là, dans quelques minutes, qu'un végétal a des millions de petits nez. Alors c'est un peu anthropomorphique, mais en tout cas, pour avoir l'équivalent d'un odorat humain, ils sont des millions. Un végétal, vous allez comprendre que tous ceux qui sont arrivés avec une couleur spécifique dans cette conférence, eh bien, perçoit très bien des couleurs, avec des millions de petits yeux, des millions de bouches, des millions de capteurs, en tout cas, qui ont d'autres noms que ceux très anthropomorphiques que je vous ai donnés, mais qui sont disséminés de manière à ce que tout ça ne le mette pas en danger si jamais il est en difficulté. C'est bien ce qu'on appelle une décentralisation des organes de l'arbre. Il est obligé de s'en sortir en étant un excellent chimiste, un être vivant capable de faire de très beaux panneaux publicitaires qui disent « Venez manger mon nectar, vous vous frotterez les pattes avec du pollen. » Moi, c'est de la confiture que je donne gratuitement, ça s'appelle une fleur. La fleur est un superbe panneau publicitaire. C'est un 4x3 en bord de route, une fleur. Mais vraiment, ça veut dire « Vois-moi de loin, toi, insecte avec qui j'ai collaboré, viens manger le nectar que je t'ai proposé, repars les pattes chargées de pollen, n'oublie pas d'avoir mes gamètes sexuelles qui me permettra de faire des petits à distance avec toi, qui est le véhicule de ma sexualité. » C'est complètement fascinant, vous allez voir, quand on décortique les choses et quand, à côté de nous, les plantes sont nées immobiles et sont nées comestibles, et ça change tout. On a chacun pris un terrain différent, et vous allez comprendre dans quelques minutes qu'avec la science qui avance énormément sur ce sujet, on pense aujourd'hui qu'à côté d'une plante, Einstein est en première année de maternelle. En termes de capacité. Regardez ce truc bizarre. Ça s'appelle l'Elysii émeraude. C'est une limace de mer qui vit du côté des côtes d'Amérique du Nord. L'Elysii émeraude a réussi ce que personne en termes d'être vivant sur la planète n'a réussi à faire. C'est à la fois les deux, c'est pas un chaînon manquant, mais c'est un animal qui fait de la photosynthèse. Autrement dit, vous avez là une limace qui absorbe une algue, qui la met dans son intestin, qui ne la digère pas, elle ne la transforme pas, elle la garde. Et cette limace-là attend simplement que les rayons du soleil viennent taper sur son corps pour que, exactement comme une plante, qui absorbe la lumière pour la transformer, cette lumière en sucre, eh bien, elle puisse se nourrir de rayons du soleil. C'est comme si nous mangions une algue et pendant 6 mois, on pouvait se mettre sur la plage, ne plus jamais rien manger et on grandirait, on grossirait, on serait en très bonne santé. Je vous signale que la capacité de faire de la photosynthèse, ce que les plantes font depuis des millions d'années, l'homme recherche technologiquement cela et n'est pas encore capable de faire ça. Vous avez des plantes qui font des choses que les hommes sont incapables de reproduire et qui seraient plutôt géniales en termes d'énergie. La lumière qu'on transforme en morceaux de sucre pour vivre tranquillement et en plus de manière très propre. C'est ce qu'arrive à faire cette drôle de bestiole qui vit du côté des côtes américaines. Et puis évidemment, tout ça, c'est une longue histoire, je vous la fais très courte, parce que ça peut être chiant.
Là, vous avez simplement, pour vous expliquer que tout n'est apparu comme ça, n'est pas apparu comme ça. Évidemment, les tout premiers des végétaux, ce sont des algues, qui au départ sont dans des mers, hein, on le sait tous, et qui sont bleues, puis qui deviennent verts. Elles arrivent à synthétiser le pigment chlorophyllien, à faire de la photosynthèse et à transformer cela en sucre, et ça devient vert. Il va y avoir, imaginez-vous, il y a 450 millions d'années maintenant, la mer qui va se retirer petit à petit, et des étangs littoraux qui vont se former. Ça se passe sur des millions d'années de géologie et de géomorphologie de terrain. Et quand vous avez un petit étang littoral d'eau saumâtre, anciennement une mer mais qui s'est échappée, et que vous avez des algues ici, il y a 450 millions d'années, alors qu'il n'y a rien sur la Terre, je vous l'ai dit, pas un animal et pas un brin d'herbe, quel choix ont ces algues ? Soit elles meurent, soit elles essaient de s'en sortir. Et vous avez là ce qu'on appelle la terrestrialisation. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a 450 millions d'années, une algue qui va se mettre de toutes petites racines, qui va essayer de s'en sortir dans le peu de roche qu'elle va grignoter, son étang s'affaissant, étant au contact de l'air, ça va être ce que je pourrais appeler un astronaute du paléozoïque. C'est-à-dire le premier être vivant qui va réussir à mettre le pied sur la terre ferme. Et ça, si on a compris ça, eh bien c'est qu'on a aussi compris pourquoi on était là aujourd'hui, parce que ça va ouvrir la voie à une oxygénation de la terre, à une multiplication des plantes, à une grande compétition évidemment pour aller manger les premiers la lumière du soleil, et toute une série de végétaux très variés qui sur des millions d'années vont pouvoir s'épanouir après cette première algue qui s'en est sortie et qui deviendra au départ de la mousse. Mais regardez comme c'est fascinant de la mousse. Quand vous voyez de la mousse, hein, quand vous avez sous les yeux pour votre crèche, pour ceux qui en font, ou quand vous avez sur un rocher, comme c'est le cas sur cette deuxième photo, de la mousse, vous avez un truc génial sous les yeux. Vous ne pouvez pas, d'œil d'homme, de femme ou d'enfant, voir plus vieux de votre vivant en direct qu'en regardant de la mousse. Vous avez là autre chose qu'un dinosaure du végétal. Le dinosaure à côté, c'est un ado en culotte courte. Vous avez vraiment quelque chose d'hyper archaïque. Quand j'ai de la mousse dans les mains, je suis tout simplement avec l'ancêtre des ancêtres, avec ce qui a mis, je vous l'ai dit, pour la première fois le pied sur la terre ferme. Et regardez ce truc qui émerge de ma mousse. Je ne sais pas si vous le voyez bien de l'autre côté de votre écran, pour ceux qui nous regardent un peu plus loin. Vous avez là un petit bâton de 10 cm de haut. Une question que je vous pose. Combien la nature a-t-elle mis de temps, en termes d'évolution, puisqu'on est sur de l'évolution et du travail avec ces végétaux qui ont évolué, pour créer un petit bâton ridicule de 10 cm qui se tient plutôt droit, mais qui n'est pas très compétent, hein. Il ne fait pas forcément de fleurs, il ne fait pas de graines, il n'a pas de grosses racines. C'est combien de temps d'évolution, ce petit bâton de rien du tout, qui est par exemple un ancêtre des prêles, hein, qui pousse aujourd'hui encore en milieu humide. Vous diriez combien ? Pour passer de ma mousse à ce petit bâton ridicule. C'est 100 millions d'années d'évolution. C'est 150 fois ce qui nous dépasse de l'Homo sapiens, hein, enfin pas, même pas de l'Homo sapiens, du genre Homo, hein, dans les forêts tropicales. C'est 150 fois plus vieux que votre ancêtre d'avant Lucie. Ce petit bâton tout ridicule a mis 100 millions d'années à sortir de terre et a commencé une compétition pour aller grignoter la lumière du soleil. Et après, ça ne s'est plus arrêté, puisqu'après vous avez les prêles, après vous avez les fougères, vous avez les palmiers, et vous avez ceux qui sont complètement ringards aujourd'hui. Les gros ringardisés du monde végétal, ceux qui ont perdu la partie, qui ont été les champions de la Terre à une époque, ce sont les conifères. Quand vous voyez un pin, un sapin, tout ce qui est de la famille des conifères, vous avez là les premiers grands arbres, ceux qui maîtrisaient la Terre, ceux qui étaient les leaders à l'époque. Aujourd'hui, le conifère est à l'époque du Minitel, là où le grand gagnant de l'évolution est à l'époque de la fibre optique du végétal, c'est-à-dire les plantes à fleurs et à fruits. Lorsque la première fleur va naître sur la planète, on estime que c'est il y a environ 150 millions d'années. Les conifères sont complètement ringardisés, ils sont devenus obsolètes et vont d'ailleurs partir ou rester du côté des endroits les moins intéressants, où il fait froid généralement. Et les fleurs, puis les fruits de gros séducteurs vont réussir à se faire la part belle. Et aujourd'hui, la plupart des grands végétaux de notre planète sont des végétaux à fleurs et à fruits. Mais regardez comme le monde est génial quand on essaie d'être très simple sur les choses de la nature. Qu'est-ce que c'est qu'une cerise verte ? C'est pas tant que je sois daltonien, c'est le cas, mais pour le coup, je sais qu'elles sont rouges, mais je vous pose la question pour des cerises vertes. Qu'est-ce que c'est qu'une cerise verte quand on observe la nature ? Et c'est valable pour tous les fruits qui ne sont pas mûrs.
c'est rien d'autre qu'une femme enceinte de 4 mois. Une cerise verte, je répète parce que c'est choquant pour ceux qui sont de l'autre côté de la caméra, une cerise verte ou un fruit pas mûr, c'est une femme enceinte qui n'a pas encore accouché. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on sait aujourd'hui évidemment que la fleur est un grand panneau publicitaire à l'adresse notamment de tous les pollinisateurs qui disent « Viens manger mon nectar, il est gratuit et tu te mettras les pattes sur mon pollen pour me reproduire. » Mais le fruit, c'est également un vrai panneau publicitaire, mais qui prend le temps de grandir. Quand la cerise est verte, elle ne veut pas être mangeable, donc elle est très aigre, très acide, très âpre. C'est volontaire, hein, y a le tanin qu'il faut et tous les produits à l'intérieur pour que si on vient la becquer, on n'y revienne pas deux fois. Elle n'est pas prête à enfanter. Lorsque, avec de la métaphore évidemment, soyez pas choqués, hein, et de l'anthropomorphisme assumé, et par contre quand elle est prête à avoir un noyau à l'intérieur qui pourra, s'il est transporté par le bon volatile à la faveur de la bonne terre, donner un peu plus tard un nouveau petit plan, en l'occurrence ici de cerisier, alors la cerise va envoyer un grand message à la nature, elle va devenir rouge. Et quand vous avez ce grand feu rouge dans la nature, ça veut dire « viens me bouffer ». Viens me becquer, je n'attends que ça, moi, en tant que fruit. Maintenant, je suis prêt, ça va, hein. La graine est équipée pour s'en sortir. Au contraire, viens en tant qu'oiseau et mène-moi très loin, si en l'occurrence ce sont des graines mangées par les oiseaux ou des fruits mangés par des oiseaux. Moi, je t'avertis, je suis gros, je suis sucré, hein, parce que tu vas avoir besoin d'énergie, j'ai de la pulpe épaisse, regarde comme je suis bon, j'ai besoin que tu me manges. Et surtout que le tanguy s'en aille très loin de la maison. Ça y est, le petit peut partir, en l'occurrence, vous l'avez compris en métaphore, les noyaux de mon fruit. Donc le fruit, c'est ça, hein, c'est hyper stratégique. Hein. C'est viens me manger, je t'avertis que c'est bon, je te donne l'énergie qu'il faut pour partir loin. C'est pas le cajot de cerise qu'on achète au marché. Ça, ça a quelques centaines d'années, hein, un peu plus peut-être, si on remonte à l'histoire du cerisier. Mais la nature a inventé ce stratagème-là depuis 150 millions d'années. On n'était pas là, évidemment. Et en termes de recherche et développement, on aurait de sacrés efforts à faire pour arriver à ce niveau-là. Regardez comme cette affaire est géniale. Vous la connaissez sans doute, ce qui est de l'autre côté, on le dit encore une fois de la caméra, qui nous regardait chez vous, selon la région, elle est très présente chez vous. Et puis on la connaît aussi encore, c'est l'ophrys abeille, c'est l'orchidée abeille. Pourquoi cette fleur est complètement démente? Parce que cette fleur, en termes d'évolution, hein, ce n'est pas une décision le matin en se levant, hein, en ouvrant ses pétales, hein, elle a réussi à être la plus grande séductrice, et les orchidées sont très très fortes pour ça, elle a la couleur, l'odeur et la forme de l'abeille femelle. Elle n'attend qu'une chose, que l'abeille mâle vienne copuler sur elle, se plante lamentablement, croyant avoir affaire à une femelle, il a affaire à une fleur qui lui ressemble parfaitement, qui a mis son costume d'abeille à venir rencontrer, et qui va la duper. C'est ce qu'on appelle la duperie. Tu crois que tu vas avoir un truc, je te donne rien, j'ai juste imité ta femelle. La nature, en plusieurs millions d'années d'évolution, a réussi à créer un truc qui n'a pas de neurones, qui n'a pas de cerveau, mais qui imite le corps de l'abeille, la forme de l'abeille, la couleur évidemment de l'abeille, et bien sûr les phéromones sexuelles. C'est-à-dire que l'odeur que dégage cette orchidée, c'est l'odeur de la femelle qui attend son mâle, à la molécule près. Voilà pourquoi les volatiles se trompent. Après, ils se tromperont un peu moins. Et en plus, il y a une synchronisation avec la naissance des mâles des femelles pour que les mâles se jettent dessus quand les femelles ne sont pas encore là. En l'occurrence, l'ophrys est déjà dans les champs. Ça, c'est absolument génial. Et vous allez voir qu'il y a bien mieux en termes de végétal qui berne complètement les animaux, quitte à les rendre fous, et qui ont le dessus sur eux dans la compétition, vous allez le voir, quand il n'y a pas que de la symbiose. Rafflesia, simplement pour l'image, c'est la plus grosse fleur au monde, en Indonésie, à Bornéo, c'est 1 mètre de diamètre pour les plus grandes, et c'est 10 kilos, un beau bébé puant la charogne. Hein ? Là, les enfants qui sont à côté, pour la photo, ne se bougent pas le nez, mais c'est quasi insoutenable, la viande pourrie en termes d'odeur, qui s'échappe de cette chose-là. Mais c'est pas la peine d'aller très loin, les amis. Et là, on s'excuse pour ceux qui nous suivraient d'autres régions que celle de Corse. Vous avez cette affaire-là, sur notre diaporama actuellement, l'arôme mange-mouche, qui est bien présent en Corse, notamment avec un îlot plutôt connu du côté de Moltifao, dans le centre Corse. Et pourquoi le végétal que vous avez là est complètement bluffant? Écoutez l'histoire, on l'a vécu en direct ici au Parc Galet, parce qu'on en a un exemplaire. Cette plante a une stratégie incroyable. Mettez-vous dans l'ambiance, vous êtes en pleine montagne, à Moltifao, vous êtes une plante et vous avez un besoin dans la vie, manger et vous reproduire. Manger et vous reproduire. Bon, une plante, c'est un ado, hein.
Ça pense qu'à manger et à se reproduire. En l'occurrence, comment vous faites? Vous êtes dans la montagne de Moltifa ou ailleurs dans plusieurs régions méditerranéennes et vous devez séduire des mouches. Parce que ce qui vous intéresse, c'est d'avoir des mouches qui viennent à vous. Alors vous avez comme ça une grande spathe, c'est l'équivalent de la feuille que vous imaginez là, qui a la couleur de la viande avariée, qui pue le cadavre, ça pue le cadavre ayant séjourné pour notre région un peu trop longtemps dans le maquis, et vous avez le spadis, ce truc un peu velu que vous voyez au milieu, hein, ce spadis qui sort un peu pointu au milieu. En fait, l'arôme mange-mouche attend simplement que les mouches pensent qu'elle est un vieux morceau de chair pas fraîche. Les mouches arrivent, tombent sur un toboggan, littéralement, qui les emmène tout en fond, au milieu d'une petite urne que vous apercevez sur l'image, qui est sous la spathe que vous avez là. La plante a donc un toboggan, hyper glissant pour des mouches qui croient se poser sur un morceau de viande avec l'odeur et la couleur, et tombe dans l'urne en bas. Mais regardez comme c'est dément. Cette urne-là n'a aucune vocation d'absorber l'animal, de manger les mouches. L'arôme n'est pas une carnivore. Elle les retient simplement, ces mouches-là, prisonnières, pendant 24 heures. Elles sont dans un cachot doré. Elles sont enfermées là en bas. Elles ne peuvent pas remonter parce que dès qu'elles sont descendues par ce toboggan, il y a des petits poils qui se sont refermés comme des barreaux et vous ne pouvez pas, quand vous êtes une mouche, repartir en sens inverse. Donc vous êtes prisonnière dans un cachot où tout est fait pour que vous soyez bien. Un petit peu d'humidité qui va comme il faut pour la respiration, les pores de la plante qui ne sont pas trop épais à ce niveau-là, un petit nectar qui vous permet de bien vous entretenir et qu'attend la plante de ses prisonnières, qu'elles soient des Uber de produits sexuels, hein, pour ne pas dire des taxis. C'est-à-dire qu'au bout de quelques heures, elle va littéralement faire pleuvoir sur ces mouches prisonnières mais bien entretenues le pollen, des grains de pollen que les mouches vont avoir sur elles. Dans la foulée, à quelques heures d'intervalle, elle va faire flétrir les barreaux de sa prison, les petits poils qui retenaient les prisonnières, qui vont pouvoir partir très tranquillement et qui vont pouvoir ensuite se faire avoir par un autre arôme un peu plus loin qui sera à ce moment-là femelle. Parce que la plante change de sexe. Et donc quand la mouche se fera avoir sur le toboggan, retombera dans la prison dorée, à ce moment-là, elle frottera les grains de pollen aux endroits sexuels femelles de la plante pour qu'elle ait la capacité de faire de petites graines. Et ça, c'est complètement génial, je trouve, de voir que la stratégie mise en place par l'évolution a permis ce genre de choses. Mais figurez-vous que c'est à Corte, à l'Université de Corse, que les spécialistes les plus éminents sur cette question travaillent cette affaire-là pour le monde entier. Et regardez ce qu'on a compris. C'est qu'en plus de ça, cette plante a le sang chaud. Elle a le sang chaud, c'est une métaphore que j'assume moyennement parce que je dois vous l'expliquer. En fait, elle chauffe son corps et ça, c'est fascinant. La plante chauffe son corps, ce que vous voyez là par infrarouge, c'est le spadis, hein, c'est ce que vous avez, cette petite barre velue qu'il y avait au milieu, qui fait 20 degrés de plus que l'air ambiant. En gros, il fait 5 degrés à Moltifa, en pleine montagne de Corse, et vous avez la plante qui est à 25 degrés à l'intérieur de son corps, très à l'aise. Vous avez des cousines de cette plante qui sont au Canada, qu'on appelle le chou puant. Elles ont en permanence les pieds dans la neige, il fait 2-3 degrés peut-être, elles sont à 27 degrés à l'intérieur de leur corps. La plante chauffe, hein, c'est une activation de ses cellules. Mais pourquoi chauffe-t-elle? Pas tant pour avoir chaud, elle s'en sort bien à ces altitudes avec cette température. Mais les chasseurs qui sont dans la salle et les chasseurs qui seraient derrière leur écran, vous savez que lorsqu'un animal meurt, il méthanise et que dans les premiers temps, il gonfle et il chauffe. Donc quand vous êtes une plante qui avait au cours de votre évolution transformé votre gros pétale en morceau de viande pourrie en termes de couleur et d'odeur, eh bien, vous avez besoin d'avoir la chaleur qui va avec pour bien faire croire que vous êtes un morceau de viande sur lequel les mouches doivent venir pondre. Donc la thermogenèse, c'est le nom hein, de cette manière de chauffer des plantes, est là pour ça, pour duper jusqu'au bout les insectes, en l'occurrence, qui sont autour d'elles. Et on sait, si on va un peu plus loin, que les molécules olfactives qui sont envoyées dans l'air avec comme un parfum que vous mettriez à la maison, quand vous mettez une prise, il va généralement un peu plus loin. Un parfum chauffé va plus loin. Eh bien, on sait que la plante, en chauffant son corps, permet à cette odeur de pourriture, de cadavre pourri, de partir beaucoup plus loin également et d'attirer hein, les narines de ceux qui passeraient aux environs. Voilà un petit peu des choses qui me semblent très intéressantes pour, là, très simplement, regarder les végétaux d'un œil nouveau, mais ce n'est que le début de ce qu'on va comprendre d'assez magique dans quelques secondes. Et oui, indispensable végétaux, c'est le moment chiant de la conférence. C'est le moment où il y a quelques chiffres qui sont donnés. Hein? Alors essayez de les retenir parce qu'ils sont quand même un petit peu parlants. Quand je dis chiant, c'est pas trop chiant quand même.
3000 milliards, ça vous fait penser à quoi? Ce chiffre que je vous balance comme ça, qui a un lien avec la nature, vous diriez quoi? Oui, 3000 milliards, c'est le nombre d'arbres que nous avons sur la Terre aujourd'hui. 3000 milliards, on compte les arbustes et les arbres un peu grands. Est-ce que c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Il y a quelques milliers d'années, à l'époque où l'homme commençait sa sédentarisation, à l'époque du néolithique, eh bien, il y avait le double d'arbres sur la planète. Aujourd'hui, on en a 3000 milliards, et là, je vous demande, ici, et de l'autre côté de l'écran, d'être très attentif à cette info. Je vous ai mis ici, en diapo, le stade de Furiani. Et je vous ai mis à côté une image de déforestation. On est en pleine actualité aujourd'hui de la forêt amazonienne qui s'embrase. Mais sachez qu'au-delà, et c'est dramatique évidemment à plein d'égards, hein, sachez qu'au-delà de ces grands feux amazoniens, qui, et on n'a pas encore comptabilisé le nombre de kilomètres carrés, envoie en fumée les arbres, et c'est encore plus grave, parce qu'un arbre qui stocke de l'oxygène, lorsqu'il brûle, il rejette du CO2, donc c'est doublement perdu pour nous. Hein. Le poumon est perdu, et le CO2 est gagné, malheureusement, en négatif. Eh bien, sachez qu'en tout cas, toutes les 2 secondes, un stade de Furiani, un deuxième stade de Furiani, je peux le faire avec n'importe quel stade de France, hein. C'est-à-dire que toutes les 2 secondes, vous avez sur la Terre actuellement un stade, en termes de valeur, vous l'avez compris, hein, de superficie, de forêt qui disparaît dans le monde entier. Ça veut dire qu'en 24 jours, je vous épargne le calcul, il y a l'équivalent de la Corse qui disparaît de la planète en termes de superficie boisée. Ça se passe en Sibérie, ça se passe au Canada, ça se passe en Uruguay. Ça se passe dans des endroits où il y a également de la déforestation, hein, au-delà de l'Amazonie qui fait le premier plan, à juste titre, et malheureusement. Donc, c'est 356 km² par jour, hein, je vous donne le calcul. Hein. 356 km² par jour, c'est le nombre de forêts qu'on perd en termes de superficie. Et quand je vous ai parlé depuis ce début de la conférence, ça fait des centaines de stades qui ont disparu, au-delà des incendies dont on parle. Hein. Avec une captation par l'homme, c'est difficile aussi à dire, mais enfin, il y a des besoins compliqués derrière, 9 milliards d'êtres humains, une agriculture grandissante. En tout cas, on en est là. Et pour autant, ben oui, à quoi vous pourrez vous faire penser ce chiffre? 255 kilos. Vous êtes tous concernés par ce chiffre. Hein, vous avalez tous 255 kilos par an de ce qu'on cherche. Mon pauvre. On ne montrera pas le visage de cet enfant plutôt frêle qui dit manger 255 kilos de sucre par an. Je ne sais pas où tu les stockes, bonhomme. Hein. Tu es plutôt bien foutu, hein, pour manger 255 kilos de sucre. Non. Vous et moi, quel que soit notre régime alimentaire et nos envies, on mange 255 kilos de quoi tous les ans? Eh oui, on mange 255 kg d'oxygène par an. Ça correspond à 700 grammes par jour et par personne, quelle que soit la gloutonnerie de chacun. Hein? Donc 255 kg, regardez le calcul comme c'est rigolo. Vous et moi, et vous de l'autre côté, il nous faut 10 arbres pour pouvoir respirer par personne. Vous êtes seul sur Terre, j'enlève tous les végétaux et je vous laisse seul. Vous êtes en plein milieu d'une terre vide pour pouvoir respirer, pour pouvoir vous en sortir et essayer de faire quelque chose, vous avez besoin à côté de vous de 10 arbres en termes de rejet d'oxygène, du traitement du dioxyde de carbone. Et ça, c'est aussi absolument intéressant. On a de grands problèmes de déchets en Corse. On a de grands problèmes de déchets partout sur la planète d'une manière générale et les îles en particulier. Mais on est absolument gourmand du déchet des arbres. Quand on avale un coup de respiration, on mange un déchet que l'arbre ne veut pas. L'arbre prend le CO2 du pot d'échappement de nos voitures et nous rejette un truc qu'on se précipite pour le manger en 255 kilos par an et en glouton cloné pour respirer. Donc c'est très intéressant de voir qu'on mange un rebut que l'arbre ne veut pas. Hein. Et pour autant, on en a besoin de 10 autour de nous pour vivre. On a de la chance, pour l'instant, vous en avez, vous et moi, 422. On a, à l'heure actuelle, la division des hommes par la division des arbres, on a 422 arbres autour de nous pour respirer de manière très à l'aise. Il nous en fallait 10, mais évidemment, ça se réduit comme peau de chagrin, surtout lorsqu'on est sur des incendies comme celui-ci. Alors, simplement une petite information. Vous savez qu'en fait, le poumon vert de la planète est un poumon bleu. On a beaucoup entendu parler, c'est le clin d'œil d'actualité, sur ce 20% de poumon vert de l'Amazonie qui était en train d'être en grand danger. En fait, l'Amazonie, sur des chiffres scientifiques plutôt recroisés, c'est 5 à 6% d'oxygène relâché par les plantes.
50% de l'oxygène relâché sur Terre, ça se passe dans l'océan, et c'est avec du phytoplancton. Hein, ces petits éléments en suspension, ça c'est 50% finalement de l'oxygène qui est traité, qu'on respire. Hein, sachant qu'il y a du boulot pour les plantes. Je vous donne un drôle de chiffre. Écoutez-le bien parce que celui-là fait un peu tourner la tête. 300 gigatonnes. 300 gigatonnes, c'est ce que les hommes, vous, moi et nos ancêtres, depuis la révolution industrielle, on est dans les années 1830, enfin on est au 19e siècle, ont relâché dans l'air. C'est comme si avec nos productions, on avait lâché dans l'air en termes de poids de dioxyde de carbone néfaste évidemment pour notre santé et qui plus est pour la couche d'ozone, l'équivalent de 50 millions d'éléphants gris. Je prends 50 millions d'éléphants, je les jette dans l'air en termes de poids, c'est le poids du dioxyde de carbone qu'on a rejeté dans l'air depuis l'ère industrielle et que les arbres, tant bien que mal, essaient de traiter. En tout cas, en se nourrissant, ils ne le font pas pour nous à dessein, évidemment. Alors, bien sûr, ça ne va pas très très bien, mais le phytoplancton, lui, est très important. Les 50 autres pourcents sont traités par l'ensemble des forêts, 5 à 6% a priori pour l'Amazonie. Et ça, c'est intéressant également pour vous et moi. C'est tout simplement cette explication qui nous fait comprendre aujourd'hui de manière très claire le bienfait de la nature et des arbres en particulier pour l'humanité. Il y a par exemple aujourd'hui au Japon la possibilité pour vous, si vous allez voir un médecin, de vous faire prescrire une ordonnance. À part que sur l'ordonnance, il n'y aura pas de médicaments. Il y aura simplement un nombre de jours et une forêt avec un type d'arbre particulier. Par exemple des résineux, des conifères. On vous dira pour traiter l'anxiété, le stress, les plaques d'eczéma, l'asthme, le fait que ça aille pas très bien au niveau de tes dernières analyses, eh bien, tu vas partir à raison de 2 heures par jour, te promener dans une forêt de conifères pendant 2 mois. Voilà la posologie qu'on propose aujourd'hui au Japon pour soigner évidemment les choses les moins graves dans un premier temps avant de donner des médicaments. C'est ce qu'on appelle la sylvothérapie, c'est sorti du domaine de l'occulte. Hein. Parce que scientifiquement, maintenant, il y a des données qui permettent de comprendre qu'au niveau du stress, de l'anxiété, de la mémoire, tout se passe plutôt mieux en compagnie des végétaux, notamment par rapport à tout ce qu'ils rejettent en molécules. Molécules pour se défendre, pour s'avertir des pathogènes ou pour communiquer, on va le comprendre dans quelques minutes. Il y a la deuxième petite vignette en haut que vous auriez à côté de cette dame en plein milieu de la forêt. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a des expériences très concrètes qui ont été faites aux États-Unis. Et on a suivi pendant 18 ans 10 000 personnes, et en suivant pendant 18 ans 10 000 personnes avec un panel qui est à côté d'arbres et un panel qui est plutôt dans du béton, les analyses sont complètement différentes chez l'ensemble des personnes regardées de près par les scientifiques si vous êtes à côté des arbres ou à côté d'un morceau de béton quasiment tout au long de votre vie. Il y a une différence absolument fascinante de bien-être évidemment et de comportement du corps quand vous êtes près de la nature, tant et si bien que dans certains hôpitaux, on a noté que ceux qui, vous connaissez cette expérience très connue, que ceux qui ont vu sur des arbres dans un hôpital, par rapport à ceux qui ont vu sur un mur en béton de leur chambre, pour le même soin, pour la même problématique, avec la même greffe qu'on a subie, tous ceux, et là c'est quasiment du 100%, avec une étude sérieuse, qui a déjà une vingtaine d'années, tous ceux qui sont avec vue sur la nature depuis leur chambre, guérissent plus vite et ont besoin de beaucoup moins de médicaments pour poursuivre ensuite leur guérison. Ceux qui sont côté mur, en tout cas pour la vue, ont beaucoup plus de problématiques et restent beaucoup plus dans la chambre. Voilà pourquoi de plus en plus d'écoles, notamment, ont décidé de reboiser leur intérieur et que les villes de demain, c'est l'image que vous avez en bas, les villes de demain, nécessairement, seront des villes vertes. Regardez ces chiffres. Ils vous parlent directement. Et ça, ce sont des chiffres qui vous concernent, vous, chez vous, dans vos foyers. Vous avez par exemple, ça c'est un peu plus général, 60% du CO2, aujourd'hui on le sait, est émis par les villes. Et je comprends Bastia, je comprends Ajaccio, je comprends des villes moyennes. 68% d'urbains en 2050, c'est ce que nous devrions être sur la planète. C'est une augmentation faramineuse par rapport aux chiffres d'aujourd'hui. On sera très urbain en 2050 sur la planète, donc on sera très très proche, s'il n'y a pas la bonne idée et la bonne transformation énergétique, eh bien de CO2 encore plus puissamment rejeté. 6 millions de décès par an dans le monde, aujourd'hui, sont en lien direct avec la pollution. Vous avez également, et ça c'est très intéressant, une étude qui vous dit que si vous avez un arbre près de votre demeure, c'est 15% de la pollution de votre intérieur que vous auriez en moins
en termes de négatif, hein, d'air que vous respiriez dans vos intérieurs. Et si vous avez un alignement d'arbres juste à côté de votre maison, c'est 50% de tout ce qui est en suspension négative dans vos maisons qui est absorbé comme une centrale d'épuration par les plantes qui sont juste à côté de vos fenêtres. Ça, ce sont des chiffres qu'on ne sort pas à la légère, qui sont validés par les comités scientifiques et qu'on peut publier aujourd'hui sans problème. À titre d'exemple, hein, on sait que les belles grandes villes vertes que pourraient être celles de demain, eh bien, il y a encore du chemin parfois pour Paris, qui est à 8% de son territoire, qui est plutôt boisé. On a par exemple en tête Oslo, qui est la ville la plus verte du monde aujourd'hui. Et Montréal, avec Singapour, étonnamment, qui n'est pas loin. Hein, très très vert en termes de pourcentage. Oui, il y aura pour tous les bienfaits dont on a parlé, le besoin d'avoir une ville verte demain. Bon, ça c'est intéressant, parce que là vous avez 10 minutes, un petit passage très rapide, où je zappe complètement par rapport à ces végétaux de manière un peu générale qu'on a présenté, et on va rentrer ensemble dans la grande histoire des plantes et des hommes à travers des anecdotes. Tout ce que je vais montrer là, vous l'avez peut-être dans une corbeille à la maison, ou en tout cas vous connaissez ce qui se passe derrière ces petites phrases énigmatiques. Qui a déclenché la première grève de l'histoire ? Voilà ma première proposition pour ce panneau de 10 plantes étonnantes en lien avec la grande histoire des hommes. Quel végétal, que vous connaissez très très bien, vous qui êtes face à moi, que les internautes connaissent très très bien pour ceux qui regardent cette retransmission, quel végétal a déclenché la première grève de l'histoire ? N'ayez pas peur, on ne vous voit pas, même si vous vous trompez. Hein. Le blé, non, le muguet non plus. Le sucre, non, décidément, le sucre revient en force. Hein. Ce n'est pas un végétal, en plus. Enfin, il est tiré d'un végétal lorsqu'il s'agit de son exploitation. Bien vu, bien vu. Il s'agit de l'ail, évidemment. Je vous la fais très courte, mais comme ça, vous aurez l'histoire. Sous Ramsès III, à un moment donné, pour la première fois, des travailleurs constructeurs des pyramides vont se dire, les gars, on arrête le travail. On arrête de construire la grande pyramide parce que l'ail n'est plus au rendez-vous. Le bateau qui devait nous livrer notre ration d'ail, et autrefois l'ail c'était un salaire hein, pour les constructeurs de pyramides en Égypte, un salaire parce que ça permettait à la fois de se soigner, hein, c'était surtout ça, c'était pas tant pour remonter les petits plats, hein, et c'était très important pour toute la famille. Donc on n'a pas d'ail, le bateau n'arrive pas, on arrête le travail, et pour la première fois dans l'histoire, les papyrus le racontent encore, vous avez là, avant l'invention des syndicats, le premier mouvement de grève de l'histoire. Ensuite, l'ail est revenu, les pyramides ont pu de nouveau continuer, mais là, les constructeurs, évidemment, ne se sont pas laissés faire. Et là, très facile pour vous. Et je demande à ceux qui sont derrière leur poste de jouer éventuellement avec Yann, qui est aux manettes, pour leur répondre. Quel est ce végétal qui a fait subir une véritable hécatombe dans les rangs de Napoléon ? Ouais, c'est pas rigolo, vous l'avez dit tout de suite, alors imaginez bien que je suis obligé de faire durer un peu. Parce que moi je vous entends, mais d'autres ne vous entendent pas et c'est rapide la réponse. Et oui, alors elle est facile celle-là, mais elle est toujours rigolote à raconter. On est en 1808, aux portes de Madrid, et vous avez 12 soldats qui ont la merveilleuse idée de faire un méchoui en embrochant un agneau sur une branche de laurier rose. Au petit matin, 8 des soldats ne se relèveront plus jamais. Il meurt, car le laurier rose que vous avez peut-être dans vos jardins, qu'on a ici au Parc Galet, que vous avez peut-être chez vous, vous qui nous regardez, eh bien, est l'une des plantes les plus toxiques de la planète. Il y a rarement plus toxique que le laurier rose, y compris si vous allez dans les endroits les plus reculés, les jungles un peu complexes, avec des végétaux très étonnants. Le classique laurier rose est très toxique, de la tête aux pieds, sous toutes les coutures. 2 feuilles ingérées pour un enfant, il passe de l'autre côté de la barrière. 10 feuilles ingérées pour un adulte, et c'est la mort quasi assurée par arrêt cardiaque. Hein ? Et il faut savoir que le taux de suicide, et ça c'est pas très rigolo, mais c'est dans les chiffres, notamment en Chine, a été multiplié par 100 en ingérant volontairement chez les ados des feuilles de laurier rose. Donc c'est aussi une belle idée que je donne à ceux qui voudraient faire un barbecue et éventuellement inviter des voisins qu'ils n'aiment pas. Hein. Voir une belle-mère encombrante. Hein. Voir un héritage à toucher avant l'heure, un petit barbecue sur une feuille de laurier rose. Très discret comme meurtre, hein, très facile à maquiller. Un bulbe pour le prix d'un palace. Ben oui, on y est. Hein. Qu'est-ce qui se cache derrière cette info-là ? Qu'est-ce qui, dans l'histoire, a fait littéralement tourner la tête des hommes comme jamais on ne l'a revu ensuite ? Eh oui, les amis, on est bien dans cela. Oh,
On est ensemble, vous et moi, on est ensemble en plein cœur de l'âge d'or hollandais, au XVIIe siècle. Notre flotte est la plus puissante de l'époque. On peut partir très très loin chercher des denrées rares. On est les maîtres des eaux, nous autres hollandais de cette époque. Et on a tous les matins des bulbes de tulipes qui ressemblent à rien, hein. C'est un oignon terreux, hein. Des bulbes de tulipes qui arrivent du côté d'Amsterdam. On se précipite pour l'acheter et figurez-vous qu'en plein cœur de ce siècle incroyable, je vous prends vos clés de votre appartement de 150 mètres carrés au cœur du canal d'Amsterdam et vous me donnez un bulbe de tulipe. On échangeait un bulbe contre un appartement de 150 mètres carrés. On échangeait trois bulbes contre une ferme avec 20 vaches dans la bonne campagne qui allait bien. Les gens sont complètement devenus fous, notamment ceux qui avaient les moyens. Et qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On spéculait. S'échanger les bulbes de tulipes dans la Hollande de l'époque, c'était l'équivalent des prémices de la bourse. C'est-à-dire qu'on prenait le bulbe, on ne le plantait jamais, hein. On ne voulait surtout pas avoir de tulipes. Par contre, on le gardait un peu dans sa cave. Et puis lorsque le cours montait, parce que tout le monde s'affolait sur ces plantes incroyables venues de l'Empire ottoman, on l'échangeait contre un appartement beaucoup plus grand, contre une ferme beaucoup plus volumineuse, avec des vaches qui donnent un peu mieux, hein. Et donc c'est de la spéculation, et vous arrivez très rapidement à la plus grande explosion en termes financiers, la plus grande bulle spéculative qui va faire flop de l'histoire, quand le cours va s'effondrer. Tout ça n'était que virtuel, et ceux littéralement qui avaient des tas d'or dans la cave, d'or en termes de valeur de ces bulbes gardés pour les échanger quand le cours allait monter, se sont retrouvés du jour au lendemain avec l'équivalent d'un tas de terreau, mais en termes de prix. Parce que plus personne n'a voulu de ce bulbe, notamment parce qu'on disait que les zébrés avaient un virus, hein, et que tout s'est effondré sur du bouche à oreille très rapidement, ce qui a entraîné des hécatombes incroyables dans les familles, y compris en termes financiers, vous l'avez compris. La plante la plus tue l'amour au monde, c'est laquelle? Hein, c'est un drôle de truc d'ailleurs ça, hein, comme information qui nous permettrait de trouver quelque chose. Quelle est la plante? Bon, bah, y a des enfants, hein, dans la salle, je le dis pour ceux qui nous regardaient. Il y a aussi des enfants peut-être parce qu'on avait proposé que ce soit regardé en famille. Je vais essayer d'avoir des mots très métaphoriques, hein. Quelle est la plante qu'il faut faire manger, mesdames, à vos maris si vous voulez être tranquille le soir sans efferalgan à prendre? Plus pratique et plus discret. Vous leur faites manger des fleurs de nénuphar ou des feuilles de nénuphar. C'est ce qu'on appelle... Oui, c'est pratique. On en a ici au parc, hein, si vous voulez en amener. C'est ce qu'on appelle un anaphrodisiaque. Un anaphrodisiaque. Autrement dit, vous en mangez, ça vous coupe tout. Et à qui donnait-on à manger des feuilles ou du thé pour la boisson, hein, des fleurs? Aux moines. Il y avait toujours des nénuphars plantés près des jardins des moines pour les calmer un tout petit peu si par hasard il y avait un petit emballement sous les aubes. Sous les aubes, en deux mots, les aubes. Enfin, avec un A-U-B-E, pas avec un Z, etc. Bon, puisqu'on est dedans, on va faire dans les choses un peu discrètes. Les sorcières s'envoient en l'air. Pourquoi une sorcière depuis la nuit des temps, pour ne pas dire le Moyen-Âge, est représentée volant sur un balai? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi est-ce qu'on représente des sorcières volant sur un balai? Évidemment, c'est un rapport avec le végétal, puisque c'est l'objectif de cette conférence. Ça va être compliqué, je suis sûr, Yann, du côté, il a des réponses, hein, des réponses qui font mal au ventre, hein, je le sens, parce que Yann Bénard, qui est là pour Corse Viasté, là, hein, je vois qu'il se tient la tête. En fait, regardez comme l'histoire est étonnante. Tout tient à la seigle. Vous avez, et je vous la fais très rapide, essayez de vous concentrer sur cette affaire parce que c'est complètement bluffant. Vous avez, à un moment donné de l'histoire, l'ergot de seigle, qui est donc un champignon, hein, c'est la petite excroissance noire que vous avez sur l'image ici de la céréale. Vous avez un champignon qui naît sur de la seigle et à l'époque on fait du pain avec de la seigle. Quand on mange du pain et qu'on n'a pas réussi à détecter précédemment ce champignon qui poussait sur l'épi, eh bien, on devient un peu fou. Dans un état second, et il y a des gens qu'on ne comprend pas à ce moment-là et qui tournent complètement leur tête. Lorsqu'on comprend que c'est l'ergot de seigle, qui est l'équivalent du LSD, et quand je vous dis ça, c'est que le LSD, en termes de chimie, vient
en termes de molécules, hein, est tiré de l'ergot de seigle, autrement dit du champignon hallucinogène, hein, qui est toujours présent, hein, bien sûr, on arrive à le détecter maintenant et le trier. Et donc, pour faire court, les sorcières, et c'est là qu'on arrive à quelque chose d'un peu étonnant, avaient besoin d'aller très loin avec des vapeurs un peu particulières qui leur faisaient entrevoir des choses très particulières aussi, d'être dans un état second, de pouvoir communiquer avec des défunts, de pouvoir faire des prédictions qui soient les plus justes possibles. Alors il y avait plein, évidemment, d'éléments qui pouvaient leur permettre de s'envoler très haut. Mais elles avaient surtout, alors il y a des plantes, la mandragore et tout, qui permettaient ça, hein, mais elles avaient surtout recours à ce champignon, l'ergot de seigle, qu'elle mélangeait avec une pommade très particulière qu'on appelait la pommade verte, dans laquelle il y avait donc cette plante très forte pour l'organisme et hallucinogène. Elle mettait cette pommade verte, et c'est là qu'il faut être très attentif pour pas que je répète deux fois et que ça devienne scabreux pour les plus jeunes, cette pommade sur un balai, l'embout d'un balai. Et parce que l'ergot de... Mais c'est vrai ce que je vous dis, c'est cru, mais c'est vrai. Parce que l'ergot de seigle ne peut pas être mangé comme tel, il n'aurait pas les mêmes pouvoirs et pourrait même d'ailleurs mettre en grande difficulté physique la sorcière, qui est une vraie entité à l'époque, hein, dans ces communautés du Moyen-Âge, il fallait que ce soit des muqueuses qui absorbent cet élément proche du LSD d'aujourd'hui. Donc, je ne vous fais plus de dessin, on enduisait le balai et on se mettait le balai entre les jambes pour s'envoler métaphoriquement vers d'autres cieux, mais ça vient de là, le balai entre les jambes des sorcières, à part que c'est pas dans le même sens, vous l'avez compris. Et c'est ce contact-là, très sérieux, entre muqueuse et pommade verte, qui donne cet effet-là. Bon, alors ça, on en parle beaucoup ici, au Parc Galais, parce qu'on a cette chance d'avoir ce végétal près de nous, qui est très présent en Corse, notamment du côté de la Balagne, sur les continents aussi, mais notamment méditerranéen, vous l'avez beaucoup. C'est quoi qui se cache derrière un petit bijou de graines? Ben oui, il y en a qui suivent les visites du parc et qui font les malins, parce qu'ils ont fait 6 visites du parc d'affilée qu'on le raconte. On vous a vu. Et oui, les amis, tous ceux qui ont de l'or 24 carats autour du cou actuellement, tous ceux, pour être hyper misogyne, toutes les femmes à qui les hommes ont offert un beau collier en or, par exemple, ou un beau diamant avec plein de carats au bout. Pourquoi est-ce qu'on parle d'or 24 carats, 18 carats, de diamants avec plein de carats? Eh bien, c'est tout simplement parce que le caroubier fait une caroube. Dans le caroubier, vous avez un fruit qui ressemble à une grosse gousse de vanille et qui s'appelle la caroube. Et à l'intérieur de la caroube, regardez sur le diapo, vous avez des petites graines qui font toujours, sur tous les caroubiers de la planète, 0,20 grammes. J'ai une caroube, j'ai la petite graine à l'intérieur, je peux la choisir où je veux. Hein. Elle fait toujours 0,20 grammes, 200 mg. C'est un étalon. C'est ce qui va permettre de peser les choses. Et aux temps antiques, lorsqu'on avait quelque chose à peser, on mettait sur un côté de la balance, par exemple, des épices précieuses, hein, ou de l'or, pour faire plus simple, bien que c'était plus compliqué d'accès. Et en face, sur la balance, on mettait 24 graines de caroube. Donc c'était de l'or, 24 carats, parce que la graine de caroube, depuis toujours, s'appelle le carat. Avec un K d'ailleurs. Hein. Donc j'ai un truc à peser, ça pèse 18 graines de caroube, ça pèse 18 fois 0,20 grammes, ça pèse donc 18 carats. La bijouterie a repris ça aujourd'hui. Et donc, une petite info qu'on peut donner, hein, à tous ceux qui n'ont pas trop les moyens, qui sont plutôt du genre radin, je dis que pour un anniversaire, je parle aux garçons là, je dis que pour un anniversaire, pour une fête des mères, pour séduire sa belle si elle a besoin d'être séduite ou reconquérise. Oui, ça va, je sais que ça ne se dit pas comme ça. On peut se permettre un peu d'humour aussi sur le français. Eh bien, on lui offre un bracelet avec, je sais pas, 24 graines de caroube. C'est un magnifique bracelet, 24 carats, et celle qui ne serait pas contente ne connaîtrait tout simplement pas sa botanique. Ne me remerciez pas pour les bons plans. Un usurpateur au pouvoir, et il n'est pas question de parler politique ce soir. Qui se cache derrière cette info historico-botanique? Un usurpateur au pouvoir, je vous le fais découvrir ici, il s'agit d'Ulysse. Et oui, quelle est la plante qui, depuis la nuit des temps, enfin, la grande lignée des rois de France notamment, se retrouve sur les blasons? C'est bien sûr les blasons à fleur de lys.
À part que ça n'a jamais été un lys. C'est un iris qui s'est fait voler la vedette. Un iris des marais. Et on apprend encore dans les livres d'histoire que c'est le lys qui est sur le blason des rois de France. Regardez l'explication sur la photo que vous avez là. Vous avez au centre le blason qu'on connaît bien. Vous avez en blanc la fleur de lys avec un certain nombre de pétales. En fait, ce sont des sépales. C'est une autre formation de la fleur. On l'appellera pétale par simplicité. Et vous avez le lys jaune pour le lys des marais avec ses trois sépales ou pétales, pour être un peu plus simple. Évidemment, vous l'avez compris de suite, le blason ressemble beaucoup plus à l'iris des marais, la fleur jaune. Alors, on est en 1150, et vous avez Louis VII le Jeune. Louis VII le Jeune, qui est un roi au pouvoir, et l'histoire raconte qu'il se cache, alors qu'il est poursuivi par toute une série de personnes qui lui veulent plutôt pas du bien. Il se cache dans un marais, et il arrive à se camoufler derrière un grand bouquet d'iris des marais. Et dès qu'il retournera du côté de ses pénates, il décidera de mettre sur un nouveau blason, alors qu'il y a déjà des trucs avec des formes de pointes, des lances, cette fleur qui lui a sauvé la vie dans un marais au XIIe siècle et qui était donc la fleur de Louis. Parce qu'à l'époque, le roi Louis VII le Jeune, quand on prononçait son nom, on appelait cet homme-là Louis, Louis avec l'exagération sur le prénom et sur le S. Donc on disait à l'époque, on vient de mettre la fleur de Louis, qui était l'iris, mais du roi Louis sur... Et voilà pourquoi la confusion est faite jusqu'à aujourd'hui. La fleur de lys est une petite problématique de prononciation par rapport à la fleur de lys, et c'est bien l'iris qui était sur nos étendards pour la France à l'époque. Des petits bourgeois au crâne long. Ça se passe où, cette affaire-là? Et ça met en jeu quel végétal? On peut s'amuser à répondre du côté d'Internet. Quels étaient les petits bourgeois d'une communauté que vous connaissez bien, qui avaient tous dans la cour d'école un crâne très long, et pourquoi? C'est un lien avec un végétal. Faites-moi les malins, parce qu'on ne raconte pas en visite guidée au parc, ça. On est un peu moins vif que sur le caroubier et les caras. Alors il faut se retourner là, en Amérique, et aller voir ce qui se passait chez les Mayas. Pour un Maya, le premier homme était né de quelque chose de très simple. Si vous êtes un Maya, vous et moi, et qu'on est à cette époque-là où on croit que l'homme est né d'une certaine manière, eh bien on est né avec un grain de maïs, de l'eau de pluie et du sang de serpent. Voilà comment les Mayas voyaient la naissance du premier homme. Le maïs qui intervient dedans a donc une importance phénoménale pour les Mayas. C'est leur plante de prédilection, la plante qu'ils ont directement sous le nez tous les matins. Et donc les petits bourgeois Mayas, pour leur former un crâne en forme d'épi de maïs, tellement cette plante était déifiée, on les compressait comme ça dans une planche, qui leur compressait bien sûr un crâne pas encore très bien formé, de manière à ce qu'il soit long et qu'il ressemble à cet épi. Donc quand vous êtes dans la communauté maya et que vous avez un crâne long avec des cheveux pour ceux qui ont la chance d'en avoir tout au bout, eh bien vous êtes forcément un enfant de bourgeois bien né parce qu'on vous a formé ainsi. Et parfois, on a retrouvé des crânes, vous le savez, on a dit c'est des extraterrestres, ils ont le crâne hyper allongé. C'était bien souvent des planchettes qui compressaient la tête des enfants pour ressembler à des végétaux. Là, c'est l'épi de maïs. Alors bon, une groseille en pleine guerre froide. Ça, vous l'avez beaucoup ici vécu en direct, cette affaire. Tous ceux qui étaient sur Terre en 1973 ou avant 1973... Donc tous ceux qui ont 46 ans et plus, savent de quoi je parle là, parce qu'ils ont vécu en direct cette info-là. La groseille en pleine guerre froide, ce qui se cache derrière cette info-là, c'était le kiwi. Le kiwi ne s'appelle kiwi que depuis 1973, les amis. Avant, le kiwi s'appelait comment? Il s'appelait la groseille de Chine. Et pourquoi le kiwi s'appelle kiwi en 1973 officiellement? Eh bien, je vous raconte l'histoire, elle est très simple. Les Néo-Zélandais sont les grands spécialistes au début du siècle, 20e siècle, de la culture des kiwis. Pourtant, le kiwi n'est pas néo-zélandais, il est chinois. C'est une liane sauvage avec des petites pêches à macaques, comme on le dit, le kiwi est plus petit de manière sauvage. Les Néo-Zélandais vont être les grands spécialistes et vont dire à un moment donné, on a besoin de conquérir les États-Unis avec nos groseilles de Chine. Là-bas, il y a un marché. Les Américains sont d'accord, à part qu'on est en pleine guerre froide.
et qu'en pleine guerre froide, mettre sur un étal américain des groseilles de Chine, un peu trop communiste sans doute au goût pour le nom de ceux qui pourraient les acheter, ça ne marchera pas, les gars. Réfléchissez là-bas en Nouvelle-Zélande à un autre nom. Nous, on veut bien vous prendre ces groseilles de Chine. Par contre, le nom, il faut changer. Hein. Ça ne passera pas. Personne, dans ces tensions actuelles des deux blocs, n'achètera votre fruit. Et pourtant, il nous intéresse. Brainstorming, pendant quelques mois en Nouvelle-Zélande, on a accès à un marché, il faut juste changer le nom. C'est quoi l'animal en Nouvelle-Zélande qui est le fétiche de tout le monde? C'est celui que vous avez ici sur la photo? C'est le kiwi. Et pourquoi le kiwi, l'animal, s'appelle kiwi? Parce que le kiwi crie kiwi, kiwi, kiwi. Je fais très très mal. Hein. Kiwi, 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 kiwi. C'est un animal qui porte le nom de son cri. Autrement dit, et ça c'est très rigolo, kiwi est quasiment un des seuls noms qui s'écrit pareil dans toutes les langues du monde. Vous allez sur Google Translate et vous essayez de taper kiwi pour voir comment ça se dit en néo-zélandais, en africain, enfin en africain dans une langue particulière d'Afrique, en chinois, en anglais, en allemand, en corse, ça s'appellera très très proche de kiwi, avec peut-être des lettres différentes. Mais l'onomatopée y est. Alors on prend ce petit animal qui ressemble à une groseille de Chine, il est petit, il est brun, il est poilu, on appellera ça un kiwi, on balance ce nom, hein, c'est le nom de notre oiseau, et je suis sûr que ça va passer sur les marchés américains. Dans la foulée, on dépose officiellement cela, et en 1973, pour une question purement marketing, un petit oiseau donne son nom en pleine guerre froide à un fruit qu'on appelle désormais le kiwi. Vous coucherez moins bête ? Dit-il avec beaucoup d'assurance pour le coup. Bon, c'est juste pour une deuxième recette pour ceux qui le souhaiteraient, hein, se débarrasser de quelqu'un proprement dans son entourage. L'apéritif préféré des héritières pressées. Ah oui, le barbecue, c'était la branche de laurier, on est d'accord. Hein, de laurier rose, hein, le laurier sauce, ça ne marche pas. Hein. N'essayez jamais d'assassiner quelqu'un au laurier sauce. Hein. C'est des bonnes feuilles pour le ragoût, pas plus. Alors l'apéritif préféré, je passe vite parce que c'est enregistré, je ne voudrais pas qu'on ait des procès derrière, des héritières pressées, mais c'est vrai dans l'histoire. Lorsque vous étiez pressé d'hériter bien souvent, héritière ou héritier, hein, là c'est hyper misogyne, eh bien vous faisiez tout simplement boire à la moitié un verre de muguet. Et là c'est plutôt de la prévention. Hein. Il y a beaucoup dans le monde de personnes qui boivent, sans y faire vraiment attention, un verre d'eau dans lequel aurait précédemment séjourné du muguet. Et c'est mortel. Mortel potentiellement selon le séjour du muguet en termes de temps à l'intérieur et bien sûr le verre que vous pourriez avaler. Le muguet est une des plantes également les plus toxiques. C'est également une belle idée, hein, je vous la donne, pour vous séparer proprement de quelqu'un parce que c'est quasiment intraçable. Hein, dans le... On n'a pas peur. Hein. À offrir avec modération. Hein. Qui parmi vous a des baies de laurier en poche? Vous? Qui dans la salle? Levez la main. Vous êtes 400, hein, ça fait plaisir. J'aurais pas cru que vous seriez venus assez nombreux, ça fait hein, vraiment chaud au cœur pour le coup. Qui dans la salle a des baies de laurier en Corse? Mais le laurier sauce, hein, celui dont on fait les ragoûts. Qui de l'autre côté de la caméra, vous qui nous regardez, avez des baies de laurier dans votre canapé, dans la poche? Ou dans votre lit, ou sur la plage, hein, je sais pas où vous regardez cette affaire-là. En fait, tous ceux qui ont le bac... Tous ceux qui ont le baccalauréat en poche, tous ceux qui ont ce diplôme en poche, ont des baies symboliquement de laurier en poche. Puisque baccalauréat, c'est baie bacca de laurier, et c'était la couronne qu'on mettait sur la tête des étudiants les plus méritants, notamment les étudiants en médecine au Moyen-Âge. On avait ce front avec cette couronne de baie de laurier qui symbolisait un passage d'examen réussi. Donc désormais, la couronne a été remplacée par un petit bout de feuille virtuelle qui plus est de plus en plus. Et ça vous permet de savoir que vous êtes un heureux élu dans un nouveau monde, étudiant par exemple. Une cueillette surréaliste, bon, eh ben, c'est peut-être la plus grande cueillette de fleurs de l'histoire. Ça se passe au 1er siècle de notre ère. Et c'est avec une certaine Cléopâtre qui essaie de séduire un général qui s'appelle Marc-Antoine. Et pour, vous connaissez bien l'histoire, essayez d'aller vers lui, elle a déjà séduit César, hein, avec un voilier et des voiles qui embaument le jasmin de manière absolument démente. Elle va faire cueillir, en quelques jours, 7 millions de fleurs de jasmin. C'est ce qui a servi, selon les écrits, à embaumer les voiles du bateau de Cléopâtre, partant, avec ce fumet généreux du jasmin, séduire un peu plus loin Marc-Antoine sur la berge. Ah, là, c'est le bon moment de la conférence pour tous ceux qui aiment les animaux
et qui vont voir combien ils se font berner par les plantes. Donc je propose à tous ceux qui regardent également cette conférence en direct de bien bien être attentifs ici, peut-être même d'appeler les enfants qui seraient pas très loin de la tablette ou du smartphone, parce que ce moment-là va nous faire voir les végétaux complètement différemment, et qui plus est à côté d'animaux. Regardez ce truc. Moi j'adore ces histoires-là. Mais vous allez aussi les adorer parce qu'on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe sous nos yeux et que parfois on ne regarde pas. Premier exemple, vous l'avez ici avec cette sorte de rat qui vit dans la forêt de Bornéo. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la plante sur laquelle ce rat, j'espère que vous le voyez bien, est installé. C'est une népente, c'est une grosse urne. On l'a un peu vu tout à l'heure d'ailleurs, un peu pour l'arôme, hein, avec ces mouches qui tombaient au fond avec ce toboggan. C'est pas de la même famille, tout à fait. Et puis là, on est à Bornéo. Mais vous avez l'idée de la grosse urne, hein, une grosse pâte, une plante qui a fait une grosse urne. Et regardez, vous avez un petit animal qui est... Bon, pour ne pas vous faire un dessin, est-ce que vous connaissez des chiottes à la turque? Qui a encore chez lui des toilettes à la turque? Bon, je trouve ça hyper glamour, donc j'en ai chez moi personnellement. Bon, ceux qui ont fait cet essai, tout le monde sait que sur les toilettes à la turque, on ne va pas faire l'essai ici, c'est un peu compliqué, mais c'est exactement ce qui se passe ici. En fait, la plante a cette urne-là et oblige l'animal, le rat en l'occurrence en tout cas, c'est une sorte de rat, hein, des forêts de Bornéo, à se mettre à quatre pattes de manière pas du tout confortable sur le contour de cette urne très épaisse, et cet animal va lécher goulûment un nectar qui descend de la plante comme vous lécheriez avec appétit une fontaine de chocolat. Et ce nectar est très sucré. Les animaux, petits mammifères, en raffolent, à part que à peine vous le mangez, que vous caguez. Vous le mangez, vous caguez. Il est, comment on appelle ça quand, laxatif à mort. Et pourquoi c'est génial cette affaire-là? Parce que la plante veut manger des excréments. La plante a besoin d'excréments pour aller trouver des substances dans le sol qui lui manquent naturellement de ce côté-là. Et donc elle va synthétiser la matière fécale des animaux, elle va s'en nourrir. Mais quand vous êtes une plante et que vous voulez vous nourrir d'excréments d'animaux, qu'est-ce que vous avez trouvé comme idée? Avec l'évolution derrière, hein, les essais, les erreurs, la nature qui fonctionne et qui ne fonctionne pas, qui garde ce qui marche. Alors, on n'est pas dans de la magie, on est dans une évolution lente et très travaillée. Eh bien, on a une fontaine à chocolat, c'est du nectar, hein, on a du laxatif, on a une urne qui récolte immédiatement les excréments. Il suffit d'une belle pluie en forêt tropicale pour que la chasse d'eau soit tirée et vous avez l'invention des toilettes à la turque par une plante et non pas par une population humaine. De l'autre côté, vous avez l'Acacia cornigera. Avec lui, nous partons 30 secondes du côté de la pampa sud-américaine. Vous avez un acacia qui a de très grosses épines. Vous les voyez là, il y a une fourmi qui sort la tête d'une grosse épine, hein, d'acacia, vraiment une grosse épine, cornigera, hein, corne de bœuf. À l'intérieur, il y a une colonie de fourmis démentes. Il y a des millions de fourmis dans cet arbre. Mais tout le monde est content. L'arbre est ravi. Il a à disposition des légionnaires capables de partir sur le champ, piquer, mordre la moindre langue d'un animal qui passerait aux environs et qui, en termes d'herbivore, voudrait manger le feuillage de l'arbre. Donc l'arbre est très content d'avoir des fourmis qui sortent lorsqu'on veut porter atteinte à son feuillage. Jusque-là, ça marche bien. L'arbre a passé un contrat. Tu me défends quand on me bouffe et moi, je te loge et je te nourris à l'œil tous les matins. En tant qu'acacia, je t'apporte un petit plateau, petit déjeuner au lit, dans les grosses aiguilles bien confortables où tu peux faire tes nids. Vous êtes des millions à vivre sur moi depuis longtemps, la colonie est complète. Et il y a du petit nectar qui suinte là, juste où il faut, du côté de ma grosse aiguille, ma grosse épine. Et tu vas pouvoir, en tant que fourmi, même quand tu nais, hein, manger tout de suite, à peine tu t'es réveillé, tu manges ce nectar que je t'offre comme un petit déj au pieu. Alors là, tout le monde est content. On a la fourmi qui est nourrie et logée, et on a l'arbre qui est défendu des herbivores. Mais la science est très intéressante, parce qu'elle vient de nous faire comprendre, assez récemment, qu'il y avait un dupé dans l'affaire. Il y en avait un pour qui le contrat n'a pas été respecté. Et une petite ligne tout en bas avec un astérisque que l'un des deux n'a pas lu lorsque le mariage s'est fait il y a des millions d'années, c'est ce qu'on appelle la symbiose, hein. Deux êtres vivants qui s'allient pour que les deux se portent mutuellement quelque chose de profitable. Qui, d'après vous, est berné dans cette affaire? Est-ce que c'est l'arbre ou est-ce que c'est la fourmi? C'est la fourmi qui est complètement bernée. Pourquoi? Parce que ce qu'on vient de comprendre, c'est que l'arbre droguait sa fourmi
pour qu'elle soit sur lui à vie, tel un esclave gladiateur qui ne pourrait plus jamais s'en aller. Autrement dit, pour vous la faire courte, vous avez ce nectar que les petites fourmis mangent tous les matins, y compris lorsqu'elles naissent, hein, les premières. Eh bien, quand vous mangez ce nectar en tant que fourmi sur cet acacia de la pampa, ça change complètement votre métabolisme et vous ne pourrez plus jamais aller manger le nectar d'un autre arbre sous peine de vomir et de mourir. Autrement dit, le petit plateau que je t'amenais tous les matins fait que tu ne devras manger ce plateau à vie, que tu ne pourras plus me faire un enfant dans le dos, t'en aller sur un arbre un peu plus généreux avec de grosses, grosses épines qui t'accueilleraient. C'est ce qu'on appelle le drogage de la fourmi par son acacia. Elle est obligée de rester et de le défendre comme une armée qui partirait au charbon à chaque fois que l'herbivore, avec sa, hein, ses dents acérées ou sa langue un peu gourmande, viendrait tâter le feuillage d'un peu trop près. Et oui, l'arbre là, pour le coup, est celui qui a rempli un contrat avec une clause dont il sort vainqueur. Alors là, c'est simplement pour retourner en Amazonie, mais l'Amazonie qui ne brûle pas, pour le côté un petit peu positif des choses. Ben, vous avez en Amazonie ce qu'on appelle des jardins du diable. Ça, c'est étonnant. En plein cœur d'une forêt luxuriante, vous avez des endroits, c'est pas très visible sur cette photo, elles sont compliquées à prendre, où il n'y a aucun arbre qui pousse, alors qu'à côté, tout le monde est en grosse compétition pour aller grignoter la lumière du soleil. Hein, donc le premier au restaurant gratuit du soleil, je transforme la lumière en sucre, j'en garde un peu pour les mauvais jours, je transforme tout ça pour ma survie, mais surtout j'arrive avant les autres au buffet là-haut, hein, gratuit offert par la lumière solaire. Mais il y a des endroits où il n'y a quasiment pas d'arbres, il y en a juste deux ou trois. Ils sont tous seuls, très tranquilles, ils ont le soleil pour eux. Qu'est-ce qu'on vient de comprendre ? Eh bien que les jardinières de ces jardins du diable étaient des fourmis, qui sont en permanence sur l'arbre. C'est le Duroya hirsuta, hein, si vous cherchez son nom. Et quand les fourmis s'aperçoivent qu'aux alentours, il y a des petites pousses qui essayent de se frayer un chemin, elles descendent de l'arbre par colonnes, elles foncent sur les petites pousses en train de naître, elles se penchent, elles leur balancent un acide formique dans la figure et elles tuent les plantes qui voudraient naître. Autrement dit, la plante héberge sur elle des petits jardiniers utilisant du Roundup sans vergogne et qui font place nette autour de leur arbre pour qu'ils poussent tranquillement, qu'ils s'épanouissent sans peine et qu'ils grignotent la lumière du soleil qu'il lui faut. Ce sont des jardinières pas très écolo, hein, celles qui vont balancer leur acide du côté de la forêt amazonienne et ses jardins du diable. Pour ceux qui nous regardaient et pour ceux qui êtes dans la salle, on est en pleine saison, je vais vous dégoûter des figues. C'est hyper machiavélique, hein, ce que je vais vous faire maintenant, c'est hyper machiavélique. Au contraire, manger des figues, c'est excellent la figue, mais est-ce que vous saviez que les végétariens, purs et durs, devraient s'abstenir de manger des figues ? Et j'aurais pu poser la question, quel est le seul fruit au monde qu'un végétarien ne doit pas manger ? Il aurait fallu me répondre, la figue, Fabrice. Pourquoi ? Parce que regardez cette histoire que nous vivons tous les jours, et là vous êtes plein habité dans des endroits où il y a des figuiers. C'est très simple, hein ? Le figuier, il y a le figuier mâle et il y a le figuier femelle. Le figuier mâle fait des fruits que vous ne mangerez jamais. Ce sont des figues plutôt petites, très charnues, dans lesquelles vont rentrer la guêpe du figuier. Vous l'avez ici sur la photo, elle est très petite, elle fait 3 mm à la taille adulte. La guêpe du figuier, pour pondre ses larves, rentre dans la figue mâle du figuier mâle que vous ne mangerez jamais. Elle pond des larves. Au passage, je précise que lorsque la femelle guêpe, là, hein, rentre dans une figue mâle, elle se pète les ailes, elle se casse les antennes et elle rentre dedans pour y mourir. Elle meurt en donnant la vie. Elle ne pourra plus jamais ressortir. Elle pond des larves. Il y a des larves femelles et des larves mâles de cette guêpe du figuier dans ces figues. Les mâles n'auront jamais d'ailes. Ils ne pourront jamais sortir de la figue. Ils n'ont qu'un objectif dans leur courte vie, c'est féconder leur sœur, autrement dit les femelles larves d'à côté, et leur creuser un trou pour qu'elles sortent avec elles leurs ailes de la figue. C'est un vrai sacrifice pour le coup, hein, pas du tout misogyne. Hein. Et la mère meurt dans la figue, les mâles meurent dans la figue, mais que vous ne mangerez pas. Les femelles s'envolent avec leurs ailes et vont reproduire ce cycle de femelles qui pondra dans une figue mâle à part queue. Parfois, les femelles guêpes rentrent dans des figues femelles, celles que nous mangeons. Et d'ailleurs, regardez l'image d'en bas. Lorsque vous mangez une figue qui craque sous la dent, avec des pépins donc,
c'est qu'elle a été fécondée. S'il y a des pépins, en fait, le vrai fruit de la figue, ce sont les pépins. Les tout petits pépins, les akènes, un peu comme sur les fraises. La figue, elle, qu'on appelle fruit, hein, c'est pas un fruit, hein, c'est une fleur renversée. Les fleurs sont à l'intérieur de la figue, ce sont les filaments que vous avez dedans. Et les fruits sont les petits pépins, c'est le vrai langage botanique. Donc la fleur femelle, la figue femelle, parfois, accueille des guêpes femelles qui rentrent dedans alors qu'elles voulaient aller dans une figue mâle, qui ne peuvent pas pondre parce qu'il y a déjà des fleurs dedans, donc elles n'ont pas la place de déposer leurs larves. Elles meurent dans la figue femelle. Le pollen, bien sûr, ici, de femelles qui étaient auparavant dans les figues mâles, qu'elles ont transportées en sortant du mâle, hein, le pollen va se mettre sur le pistil des fleurs de figue à l'intérieur et vous allez avoir des pépins. Donc toutes les figues qui ont des pépins, c'est le cas de toutes celles qu'on mange quasiment, ont donc été fécondées, ont donc eu une guêpe qui est rentrée à l'intérieur et qui est morte. Souvent, elle est assimilée par la plante. Hein. Donc vous n'avez pas des cadavres de guêpes que vous mangez, que vous croquez. Hein. La plante assimile, hein, la fleur, fruit, sa guêpe, mais c'est véritablement ça. Hein. Mais c'est excellent, les figues. Hein. Ne vous arrêtez jamais d'en manger. Hein. C'est juste une belle histoire de la nature. Hein. Désolé pour les producteurs qui regardent. Allez, il nous reste quelques minutes pour cette conférence. Celui-ci, je vous fais juste un focus très rapide. C'est le mal-aimé de beaucoup de régions. On s'excuse pour ceux qui viendraient un peu du Nord et qui regarderaient cette vidéo. Le Nord, ici, c'est à partir de Marseille, hein, pour information. Et vous avez là le figuier qui est très commun dans des régions comme les nôtres, qui est celui qu'il faut généralement à tout prix bannir du paysage. C'est celui qui est venu l'envahir alors qu'il est mexicain d'origine, hein, à une époque où pourtant on voulait bien l'amener. Et c'est celui qu'il faut exterminer si on le peut. À part que regardez ce qui se passe avec le figuier de Barbarie. Je fais très court, mais vraiment, parce que pour ceux qui auraient l'intention de faire un dîner, c'est une proposition très honnête que je vous fais. Hein. J'arrête 10 secondes. Ceux parmi vous qui voudraient faire un dîner avec des amis, ceux qui sont de l'autre côté de la caméra et qui voudraient faire un dîner avec des amis, vous m'invitez. Un dîner où le type parle de ses passions, vous savez, le type qu'on laisse parler, c'est comment ça s'appelle? Les dîners où vous invitez quelqu'un qui raconte sa passion, de trucs en allumettes, où il y a un film qui a été fait sur ça. Vous m'invitez et je vous parle du figuier de Barbarie toute la soirée. Hein. C'est pour ça que je vais essayer d'être très court ici. Regardez le figuier de Barbarie, on l'extermine dans plein de régions. Mais l'huile la plus chère au monde, ne cherchez plus les gars, ne cherchez plus les filles. L'huile la plus chère au monde, c'est juste l'huile de pépin de figuier de Barbarie. Si je vous donne, enfin si je vous tends un litre d'huile de pépin de figuier de Barbarie, vous me payez 1000 euros pour avoir ce litre. Si je vous tends une bouteille d'huile d'olive, c'est 18-20 euros pour une bonne huile. Hein. Si je vous donne mon huile de pépin de figue de Barbarie, pas la mienne, hein, j'en fais pas, et ben vous me donnez 1000 euros. C'est 1000 euros le litre aujourd'hui de cette denrée extrêmement rare qui pullule, hein, dans des régions comme la nôtre. Alors, pour info, pour ceux qui sont un peu puristes, il vous faut une tonne de fruits, de figues, hein, qui vous donne 30 kilos de pépins. Et 30 kg de pépins pressés vous donne 1 litre d'huile vendue à 1000 euros le litre. C'est surtout dans les cosmétiques qu'on recherche cette huile, mais c'est également une huile comestible. Les raquettes de figuier de Barbarie se mangent. Si vous allez au Mexique, on peut très facilement commander un plat de nopalitos. Ce seront des raquettes de figuier de Barbarie, toutes celles qu'on a dans la nature ici. Hein. Si vous voulez faire un barbecue vraiment sympa qui n'assassinerait personne, vous prenez des raquettes de figuier de Barbarie, plutôt jeunes, hein, plutôt tendres, de la taille de la main. Vous le voyez sur l'avant-dernière photo ici, le petit rond juste avant la vache. Vous coupez ces raquettes en petites limiers, en gros traits, hein, vous le voyez ici comme des gros haricots. 20 minutes dans une casserole, comme du riz. Vous ressortez tout ça de la casserole, vous l'essorez, vous prenez ça en salade. Vous le faites cuire, vous le prenez comme un champignon de Paris un peu cuit, comme une aubergine grillée. La raquette de figuier de Barbarie est excellente à manger, au-delà des fruits, dont on sait qu'ils se mangent également. Et puis bien sûr, toutes les femmes qui ont du rouge à lèvres. Pour ne pas être sexiste, tous les hommes aussi ici qui ont du rouge à lèvres. Tous ceux qui sont derrière l'écran et qui ont du rouge à lèvres, qui mangent des fraises Tagada, qui achètent des dragibus pour les déjeuners des enfants ou les anniversaires, qui adorent le tarama, qui raffolent de yaourts à la fraise, à la myrtille, les yaourts qui sont un peu rouges, à la framboise, etc. À l'intérieur, vous avez de la cochenille écrasée, élevée sur des figuiers de Barbarie du côté du Chili. C'est-à-dire que tous les matins, on prend des cochenilles, hein, l'équivalent d'une punaise, c'est la femelle, on l'écrase, on la réduit en poudre, c'est du colorant E120 rouge
alimentaire, et on met ça dans tout ce qui est rouge dans l'industrie aujourd'hui sur le marché. Mais c'est rigolo au final, parce que ça s'élève sur des raquettes de figuier de Barbarie, et des milliers de personnes vivent de ça. D'ailleurs, le synthétique, hein, l'industriel chimique en termes de rouge, est quasiment interdit aujourd'hui. Donc c'est le naturel comme celui-ci qui est privilégié. Et le plus grand importateur au monde de colorants alimentaires rouges, du carmin en l'occurrence, de cochenille écrasée, c'est la France. Voilà pourquoi je ne dis pas qu'il faut faire naître des champs de figuier de Barbarie, qui ne demandent pas d'eau, qui poussent comme du chien dent quand vous jetez une raquette, qui sont très écologiques, qui font de la biomasse. 150 hectares de figuier de Barbarie plantés, c'est 6000 maisons qui ont de l'électricité, par biomasse, au Chili en l'occurrence. C'est l'huile la plus chère au monde, ça ne demande pas d'eau. Et quand on sait que la Corse, on s'approche très 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 près des 2050 et du climat de la Tunisie, et de 2080 et du climat de la Californie, par exemple, ce type d'agriculture très peu dépensière peut être, pourquoi pas, des solutions pour des climats méditerranéens. La FAO, l'organe de l'ONU qui classe notamment les choses agricoles, vient de classer le figuier de Barbarie plante de l'humanité en termes de plante sauveuse de l'humanité. Le figuier de Barbarie, hein, très récemment. Très intéressant de voir qu'un nuisible d'un côté de la planète peut être une opportunité quand on retourne le globe et qu'on voit comment il est utilisé par ailleurs. Pour ceux qui aiment les recettes originales, je vous les glisse comme ça. En ce moment, c'est la période des yuccas qui sont en floraison. Vous mangez la fleur de yucca comme vous mangeriez des endives. Ça a d'ailleurs un peu le même goût. Il faut enlever le petit pistil au milieu, c'est un peu moins amer. Et vous le faites comme vous le feriez avec des beignets de courgettes, par exemple, pour des beignets de fleurs de yucca. Il est comestible, le yucca. D'ailleurs, les pousses très très jeunes sont comestibles comme de très grosses asperges. Hein. Vous mangez une asperge à quatre, hein. En l'occurrence, celle qui donne ensuite naissance à ces hampes. Et puis, la figue de Otanto. Hein, la figue de mer, vous le connaissez ça, c'est Carpobrotus, hein, les griffes de sorcière, hein, c'est aussi un nuisible pour le coup, les griffes de sorcière qu'on connaît bien sur nos plages, qui viennent d'Afrique du Sud, hein, ancestralement. On ne le sait pas toujours, mais la figue se mange. Elle s'appelle d'ailleurs la figue de Otanto, qui est une tribu nomade, hein, d'Afrique du Sud, et c'est peut-être l'un des seuls fruits salés de la planète. On fait également des cornichons, l'équivalent, hein, avec ces griffes de sorcière très grasses. Et puis tranquillement, on arrive à la fin de cette rencontre et vous avez des capacités qui font aujourd'hui pâlir des prix Nobel. Lorsqu'on regarde de près les dernières découvertes scientifiques très sérieuses sur ce que les plantes ont d'intéressant à nous raconter, quand on sait les regarder avec les bonnes lunettes, eh bien on se rend compte qu'elles nous fascinent littéralement. Est-ce que vous n'êtes pas bluffé par ça? Si vous n'êtes pas bluffé par ça, c'est que vous n'êtes pas sensible à la magie. Un tronc d'arbre, c'est incroyable. Comment se construit un tronc d'arbre? Avec quoi est fait un tronc? Là, je vous l'ai mis sur la photo d'arbre que vous voyez. C'est le tronc du séquoia géant qu'on a vu tout à l'heure, hein, le plus gros arbre de la planète, pour vous montrer, hein, du bois. On peut faire 120 chalets F4 avec son bois, hein, si on voulait le découper celui-ci. Hein. C'est 2200 tonnes de bois, mais le bois d'un arbre, un tronc et des branches, c'est fait avec quoi? Avec de l'air. Les arbres sont capables de faire du solide avec de l'intangible. Les arbres sont capables de faire 2200 tonnes de bois pour le tronc ici qu'on a en photo en captant de l'air et en le transformant en matière solide. Quand vous analysez le bois, il y a des éléments tirés du sol, il y a de l'eau, mais c'est très peu. Et regardez ce qui nous fait dire ça, c'est l'expérience que vous avez ici sur la diapo. Vous avez à gauche, et c'est une expérience qui remonte au XVIIe siècle, c'est Van Helmont, qui est un biologiste belge, qui l'a sorti. Il a fait tout simplement ce que vous pourriez faire à la maison. Et ça, c'est absolument fascinant. Un pot qui pèse 90 kg avec sa terre. Un pot qu'il va peser avec de la terre, ça fait 90 kg et quelques, vous le voyez. Et puis une toute petite pousse de saule, l'arbre. Il revient quelques années après et il pèse l'arbre. L'arbre a pris, vous le voyez ici, 75 kg et la terre qui est toujours en place n'a été descendue que de quelques grammes. Autrement dit, l'arbre s'est constitué un vrai corps de 75 kg en ayant mangé 6 grammes de terre, ou un peu plus. C'est de l'air
et de la transformation en matière solide qu'il l'a créée. Je trouve ça absolument génial de s'imaginer qu'un être vivant crée du solide avec de l'impalpable. Et ça s'appelle un trou. Alors, ça, c'est tout simple. Hein. C'est la nature qu'on observe tous les matins. Lequel des deux aurait plus la main verte, d'après vous ? Batman ou, ou Superman ? Forcément, regardez-les. Hein. Il y en a un des deux que les plantes adoreraient avoir autour d'eux. Hein. Elles aimeraient bien être bichonnées par Batman ou Superman, mais pas les deux. Hein. Ah, c'est un peu compliqué, cette affaire. Eh bien, moi, je vous dis que les plantes de leur balcon, les plantes des jardins, aimeraient que ce soit Superman qui s'occupe d'elles. Parce que Superman est habillé en rouge et bleu. C'était ça qu'il fallait remarquer sur cette info. En fait, les plantes, vous le savez sans doute, voient deux couleurs précisément, hein, deux grandes gammes de couleurs, pour se tourner vers le soleil et manger les rayons, et puis pour voir la nuit tomber au bon moment et se préparer à rentrer mathématiquement dans des fonctionnements très différents la nuit, hein, et puis ouvrir les fleurs au bon moment le matin, et le feuillage parfois. Elles ont besoin de voir le bleu, ce sont les ultraviolets de par où vient la nourriture solaire. Donc on a besoin de percevoir par des phytochromes, qui sont des pigments très particuliers qui captent ça sur nos feuilles, hein, essentiellement. Et puis on a besoin de voir le rouge, qui sont les infrarouges de la nuit qui tombe et du jour qui se lève. Et ça, ça nous dit comment est-ce qu'on doit se comporter en termes de stockage et de fonctionnement ensuite. Donc tous ceux qui aiment leurs plantes vertes, si vous voulez les bichonner, qu'elles vous repèrent de loin, habillez-vous en bleu ou en rouge. Votre yucca, votre géranium sera forcément content de vous voir approcher. Les plantes communiquent. On a bientôt fini, hein. Et je le dis aussi pour ceux qui doivent préparer un repas derrière la caméra. Les plantes communiquent. Alors ça, maintenant, c'est clair, hein. Il n'y a plus de blagues là-dessus, il n'y a plus d'ésotérisme, il n'y a plus de défiance scientifique. Alors oui, les acacias se sont défendus. Quand on est attaqué, qu'on est une plante, c'est le départ, hein. Immobile et comestible, hein, les gars. Immobile et comestible. Comment je fais pour m'en sortir ? Alors notamment, j'ai décomposé volatile. Et lorsqu'un acacia, par exemple, est mangé, hein, vous connaissez bien cette expérience, par des koudous en Afrique du Sud, et c'était en 1985, il va envoyer des molécules d'éthylène qui vont avertir les voisins que le troupeau est en train de manger l'arbre, et les voisins qui, par le vent, reçoivent ce langage, hein, de bulles, finalement, de molécules d'éthylène invisibles, hein, savent qu'il faut se préparer à être attaqué. Le vent apporte ces mots, hein, le langage des arbres, ce sont les molécules d'éthylène volantes, et bien vont charger leur corps en tanins pour devenir immangeables. Et celui qui est attaqué avertit qu'il est attaqué et charge également parallèlement son corps en tanins pour devenir immangeable en quelques minutes. Hein. Donc on sait qu'on communique entre congénères pour expliquer que ça se passe plutôt mal et que l'alphabet des arbres, ce sont des molécules d'éthylène volantes. On sait aussi qu'on peut avertir des guêpes. Dépêchez-vous les gars d'arriver les guêpes. Je suis bouffé par une chenille, moi, plant de tabac. Viens pondre dans la chenille, ta larve va la bouffer de l'intérieur, elle est en train de me grignoter les feuilles. J'envoie un message chimique à l'intention de gros porteurs volants, hein, des super cuirassiers, qui sont notamment des guêpes, qui vont pondre dans la chenille, qui ont senti le message olfactif, et qui vont venir, parce que c'est l'endroit qu'ils vont choisir ces insectes-là pour pondre, dans la chenille, qui m'embêtait au niveau des feuilles. Ça, c'est la communication, un exemple, hein, entre les plantes et les animaux bienfaiteurs, pour le coup. Par les racines, il se passe des millions de choses. La racine est peut-être l'élément le plus complexe et le plus intéressant d'un arbre. Par la racine et connecté avec des champignons, on se donne du glucose, on se donne un petit peu d'énergie, on prend les sucs qui nous manquent, on partage toute la forêt qui englobe du CO2, il y en a 4% qui sont dans des réserves, et que tout le monde se distribue par les racines de manière à ce qu'il y ait à manger pour tous, notamment dans des milieux un peu complexes. Quand je suis en pleine sécheresse et que je suis un des premiers touchés un peu fragiles, j'envoie par mes racines des éléments qui permettront à ceux d'à côté de se nourrir aussi quand c'est un peu compliqué, y compris de l'eau. Hein. Par les racines, il se passe plein de choses. Et on vient de comprendre qu'un autre élément de communication peut-être a lieu chez les plantes en ce moment, mais c'est encore très très jeune au niveau de l'étude, c'est le son. Il semblerait que les plantes puissent entendre avec un mot très anthropomorphique que je corrige pour vous dire que c'est l'équivalent de l'ouïe pour l'homme, entendre des cliquetis de racines des plantes d'à côté. Et que des récepteurs, qui ne sont pas des oreilles, mais des récepteurs de ces bruits-là, leur permettent de réagir en fonction. Et l'expérience très claire, c'est que vous avez, du côté de l'Italie, des plants de fenouil et des plants de piment. Les plants de fenouil et de piment sont séparés par une vitre et par tout ce qui fait qu'ils ne peuvent pas communiquer, et par de la chimie,
par des racines, personne ne peut sentir l'autre. Quand vous sentez que vous avez un voisin, et c'est l'expérience qui a été faite, vous poussez très vite. Un gros piment, un gros plant de fenouil. Parce qu'il faut, capter la lumière avant et s'épanouir et donner des petits et avoir sa lignée qui perdure. Par contre, quand vous les séparez, eh bien, ils continuent à savoir qu'il y a un voisin, alors qu'il n'y a plus de chimie qui peut être faite uniquement par des cliquetis de racines. Et on sait aujourd'hui qu'apparemment, il y aurait une détection possible par les plantes de l'eau souterraine. L'eau souterraine a des bruits particuliers, ce sont des hertz, hein, 200 hertz par exemple, et on sait que les plantes sont capables d'entendre avec leur récepteur à eux, hein, je précise bien pour le mot entendre, d'où viendrait ce clapotis souterrain, de manière à faire pousser leurs racines pour aller aspirer comme de grosses pailles l'eau qui coule là-bas, et pas là-bas. Et en laboratoire, quand je mets un plant de maïs et deux petits haut-parleurs qui imitent le bruit de l'eau en termes de fréquence, les racines poussent vers le haut-parleur. Je déplace le haut-parleur, les racines poussent vers le haut-parleur. Donc on est sur, en ce moment, une étude de l'ouïe, hein, chez les végétaux. Alors, autre chose d'intéressant, ça, 5 minutes, hein, 5 minutes aussi, on le promet maintenant, 5 minutes avant la fin, ça c'est Valence, en Espagne, en 2012, 946 cyprès. Ils s'en sortent indemnes, alors que tout a brûlé autour d'eux dans un grand incendie. Vous le voyez, hein, toute la végétation autour est cramée. En plein centre, un îlot de verdure, ce sont des cyprès méditerranéens, hein, qu'on connaît très bien, les cyprès qu'on a ici. On a compris que le cyprès est peut-être le meilleur pare-feu naturel qu'on puisse avoir à aller puiser dans la nature. Le cyprès, c'est simple, hein. Lorsqu'il fait 60 degrés, autour de lui, il dégaze. Il dégaze tout ce qui est inflammable chez lui, des hydrocarbures, des terpènes, il dégaze de la résine volatile, et il devient quasiment comme un sac sec d'eau, parce que les feuilles de cyprès sont à 90% remplies d'eau, toutes petites qu'elles sont, elles sont remplies d'eau, et elles tombent d'ailleurs souvent pour faire des matelas un petit peu imbibés pour que les flammèches ne s'enflamment pas à leurs pieds. Donc quand il y a 60 degrés, je dégaze, il se passe un truc paranormal, hein. Donc je deviens quasi ininflammable. Voilà comment se comporte le cyprès, 2012 en Espagne. Mais surtout, j'avertis les potes qui sont à l'intérieur là-bas, ceux qui sont au centre de ce petit espace-là boisé, qui n'ont pas l'information de sensibilité qu'il fait 60 degrés parce qu'ils ne la ressentent pas encore, je leur envoie tout de suite les molécules qui les avertissent. Dépêchez-vous de dégazer, j'ai les fesses qui chauffent, moi, qui est ici dans la lisière. Eh bien, ce qu'on a repéré, c'est que les cyprès qui sont à l'intérieur ont déjà dégazé, alors qu'ils ne sont pas du tout touchés par les flammes. Et le bosquet devient, qui plus est, encore plus compliqué à être enflammé. Et c'est clair aujourd'hui, de la même manière, l'ONU le préconise via la FAO, les haies de cyprès pourraient potentiellement être les meilleurs pare-feux naturels qu'on puisse inventer. Pas forcément le cyprès de Lélande, qui lui a des feuilles qui sèchent sur lui et qui pourraient être de véritables torches. Hein, ce sont des variétés qui n'ont pas forcément cet affaissement quand il fait chaud. La cuscute, les jardiniers ont horreur de la cuscute, vous les connaissez sans doute, hein, ces plants-là. C'est un vampire végétal. La cuscute, c'est une petite liane qui fait très très peu de photosynthèse et qui a besoin, lorsqu'elle naît, et elle n'a que 48 heures, d'aller trouver un végétal en termes de support, s'accrocher à son tuteur, mettre ses crocs en plein milieu de ce support, hein, croquer carrément la plante pour aspirer sa sève. La cuscute a donc besoin d'aller chercher un bâton naturel sur lequel monter. Et la cuscute, pour ça, dit-on, utilise des récepteurs proches de ceux de l'odorat. En laboratoire, vous mettez une cuscute et un plant de tomate. La cuscute file, en accéléré bien sûr, hein, grandit vers le plant de tomate, plante ses crocs dans la tomate et l'aspire. En laboratoire, vous mettez la cuscute et vous mettez un truc en plastique qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un plant de tomate, mais c'est du plastoc. La cuscute sort, elle trouve rien, il n'y a pas l'odeur, hein, de tomate, c'est un faux. Elle trouve rien et elle ne s'y accroche pas. Donc là, tous les récepteurs qui seraient d'ordre, il n'y a pas un truc dans les environs en termes de visibilité, entre guillemets, sont annihilés. On est vraiment sûr de la potentialité d'odorat parce que lorsque je mets un pchit sur mon bout de plastique qui ressemble plus ou moins à de la tomate, regardez la tête de la tomate là quand même, hein, sur l'écran, eh bien si je l'asperge d'huile essentielle de tomate, ce truc-là en plastique, eh bien la cuscute va foncer dessus et se casser les dents sur la proposition que je lui ai faite en laboratoire. C'est bien qu'elle a été guidée par un sens proche de l'odorat, puisque tout a changé quand je l'ai aspergé. Voilà ce qu'on repère aujourd'hui chez les plantes qui seraient à leur manière capables de sentir. Et alors, ça c'est encore plus intéressant.
Et c'est la dernière un diapo, si on peut dire, le dernier visuel. Qu'est-ce qui est pour moi la plante, excusez-moi modestement de vous le dire comme ça, la plus éberluante, fascinante, interpellante au monde, pour ne pas dire et pour me livrer ma plante préférée? Eh bien, c'est celle que je vous montre ici. Il s'agit de la liane caméléon. C'est la liane caméléon du Chili, Bokilia trifoliata. Elle vit dans les forêts chiliennes. Est-ce que vous avez bien regardé ce croquis fait par l'excellent botaniste Francis Allais, qu'on salue ici parce que je pense qu'il est de l'autre côté de la caméra? Eh bien, vous avez ici une plante, pour ceux qui repéreraient mal le dessin, je vous l'explique très rapidement, qui est dans la forêt chilienne, une liane, et qui a besoin d'aller s'accrocher à un tuteur. Lorsque la plante trouve un premier arbre qui va avoir des feuilles très petites, très verluisantes, la plante qui vient de s'accrocher, la liane, va créer à cet endroit-là où elle s'est accrochée des feuilles très petites et verluisantes comme il faut. Et puis la liane va continuer son chemin, va grandir dans cette forêt chilienne et va aller s'accrocher à un autre arbre tuteur. Et là, elle va créer d'autres feuilles, elle, sur son propre feuillage, qui vont être à l'identique du tuteur sur lequel elle est montée. Autrement dit, à cet endroit-là, j'ai un grand arbre avec des feuilles marron hyper grandes et dentelées. Je vais me faire ici des feuilles marron hyper grandes et dentelées. Et la liane caméléon est capable de monter sur 12 arbres différents, avec 12 formes de feuilles complètement différentes dans le côté aléatoire de cette forêt, par exemple, primaire du Chili. Eh bien, comment fait une plante pour imiter les mêmes feuilles que le support sur lequel elle monte en très peu de temps, le temps que la feuille se développe, et avoir 12 types de feuilles différentes? Eh bien, la science ne l'explique pas. Voilà encore un grand mystère. Comment un végétal peut imiter le support sur lequel il monte, la couleur, la forme et la taille? Alors, évidemment, on sait pourquoi. C'est une question de mimétisme. J'ai besoin de me cacher le plus possible derrière le support sur lequel je monte. Puisque si j'ai des feuilles jaunes fluo sur un support vert, le premier herbivore va me découvrir, accroché à ce support. Donc j'ai besoin d'avoir la même forme. Et comment je fais? On ne l'explique pas. Celui qui découvrira ça aura peut-être un prix Nobel de botanique, pour ne pas dire de science un peu plus générale. Comment la plante fait pour imiter sans neurones ni cerveau, on le répète, sans neurones ni cerveau, un végétal sur lequel il s'accroche? Je termine maintenant en vous disant, uniquement pour ceux qui sont dans la salle, et ce message est très sérieux, de fermer les yeux pour ce qui va suivre, pour ceux qui seraient un petit peu fragiles en termes d'émotion. Tous ceux qui, dans la salle, ont du mal à résister à des images un peu dures. Elles ne sont pas insoutenables, mais elles sont un peu dures. Tous ceux qui auraient le cœur un peu fragile, n'hésitez pas, le temps de la minute qui va suivre, à fermer les yeux ou à vous accrocher à la personne d'à côté. De la même manière, pour ceux qui nous suivaient maintenant, ceux qui veulent couper, vous pouvez couper. Ceux qui pensent résister à ce qui va suivre, faites-le, mais éloignez les enfants éventuellement de ce qui va se passer. Vous êtes prêts? Voici ce par quoi, à vos côtés, je voulais terminer. Moi, j'ai déjà regardé ces images, donc elles ne me font plus grand-chose, je peux les soutenir. Attention, pour les enfants qui seraient derrière les écrans, pour les gens dans la salle aussi qui auraient des petits problèmes émotionnels, attention, ça y est. Moi, j'arrive, parce que j'ai déjà vu les images. Personne n'est retombé de la chaise? Vous êtes plutôt... Non? Alors pour ceux qui sont derrière, je vous donne l'info, il y a 400 personnes dans la salle, il y en a 220 qui ferment les yeux, je vous le dis. Je ne sais pas si vous êtes plus costaud à la maison, mais là c'est plutôt lamentable en termes de capacité à soutenir les choses compliquées. Bon, la vidéo dure 1h15. C'est le temps de la conférence, mais on la laisse parce que c'est le principe. Pourquoi est-ce que ce que vous avez derrière est fascinant? Évidemment, il y avait un peu de magagne, la magagne. Il y avait un peu de bluff dans ce que je vous ai dit. Là, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de pénétrer les entrailles du plus gros, du plus vieux et du plus grand être vivant de la planète. Les amis, vous êtes en Amérique. Vous êtes dans l'état de l'Utah. Et vous êtes en plein cœur de Pando.
Ça ne vous fait rien, parce que vous êtes un peu solide, hein, ici. Derrière aussi, sans doute. Vous êtes au cœur de Pando. Pando, c'est juste la plus grande, on vous a dit, hein, la plus grande créature vivante de la planète. C'est une forêt de peupliers faux-trembles. En fait, c'est une forêt de peupliers faux-trembles qui sont des peupliers plutôt classiques. Hein. C'est une forêt de peupliers faux-trembles. Il y a 44 000 troncs. Il y a 40 hectares. C'est une forêt unique. Mais c'est un seul et même individu. C'est un seul et même individu, un peuplier faux-tremble originel qui est né là-bas il y a 80 000 ans, qui s'est reproduit comme un clone à 44 000 endroits différents. Et tous ces endroits-là, tous ces arbres-là, sont reliés par une même racine. Ils ont fait également des racines secondaires, évidemment. Autrement dit, ce que nous, humains, appelons une forêt d'arbres, c'est un seul et même individu qui s'est reproduit, qui est ressorti de terre à 40 000 endroits depuis 80 000 ans. Pour faire simple, hein, en métaphore basique, si j'étais aussi malin, aussi ingénieux, si j'avais 300 millions d'années de recherche et développement dans les baskets ou dans les racines que ce peuplier faux-tremble-là, je serais capable, moi, Fabrice, de mettre ma main en terre et pour me reproduire, par exemple, ou ne jamais mourir pour ma lignée, voir ressortir depuis mon doigt, en quelques années, un second Fabrice, au génome complètement identique, qui a la même touffe de cheveux que moi, qui est exactement ma personne en clone. Et ça, c'est une évidence scientifique. Les arbres ont juste, en toute impunité, inventé le clonage depuis 300 millions d'années. Vous pouvez en couper un, il est encore présent à 40 et quelques mille endroits à côté. Il ne faut pas le faire. Hein. Mais pour le coup, c'est ça aussi la survie. Et on dit donc que de la même manière, les arbres ont aussi potentiellement inventé l'immortalité. Alors quand je vois ce Bocarnea mexicain, pourquoi est-ce que je le trouve complètement fascinant? Et c'est la première question que je vous ai posée. Parce que j'ai là un arbre qui s'est fait un petit tronc, qui pèsera plutôt bientôt plusieurs tonnes, uniquement avec de l'air. Oui, ça va. Je prends de l'air. En plus, c'est sympa pour vous, les mecs. Hein. Je suis une centrale d'épuration. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui ne vous plaît pas, qui sort du pot d'échappement, je le transforme en oxygène, qui est un déchet que vous mangez à raison de 255 kilos par an. Magicien à ce point. Je vois ce qui se passe autour de moi par des capteurs très spécifiques. Je sais que j'ai des potes dans ma lignée qui sont même capables de sentir, d'entendre l'eau à leur manière. Je communique par les racines pour renforcer mes voisins. J'envoie des messages si on ne se sent pas bien. Je suis capable d'avoir des capteurs et une sensibilité qu'aucun humain, même augmenté aujourd'hui, n'est capable d'avoir. Et je suis capable de m'en sortir sur la Terre depuis 300 millions d'années pour moi et 450 millions d'années pour les premières mousses astronautes, alors que vous n'étiez, vous, humains, qui me brûlez dans la forêt amazonienne, vous n'étiez qu'un vaste morceau de petite musaraigne qui deviendra peut-être un jour un singe, peut-être pas très intelligent. Je vous remercie de votre patience, de votre écoute. Et c'est comme ça que j'aimerais conclure cette conférence. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous ne voyez pas, mais il y a des gens debout comme à des concerts. Moi, je plaisante.